La première personne qui s'est connectée, c'est une fille qui est habillée en chemise blanche. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir Lolomania. Femme du Syria d'Italie. Ella Bonzi, Carla Tati, Emilienne. Grâce. Oh, j'adore, Playboy, c'est mon gars. Playboy, c'est mon gars. C'est mon gars. Rosanne Bouy, bonsoir. Grâce Caroline, bonsoir. Lolo vous dépasse, bonsoir. Le rêve Renaissance, bonsoir. Femme du Syrien, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir mes Lolomania. Bonsoir la team, la Russie. De Tatana, Coco Coutou, FBI. Royal Gracias, bonsoir. Bonsoir, partagez le live. Car Grâce Caroline, la seule influenceuse que j'adore. Regarde au Cameroun. Merci, Grâce Caroline. Diane Ladrine, comment tu vas? Temfo Raïssa Flore, bonsoir. Fanny Enangé, bonsoir. C'est Chupita la Mévelle. Caroline Yepnou, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous avez commencé bien la semaine. Diane Ladrine, oui. Rosie Tekam, bonsoir. Vixon Nana, bonsoir, merci. Carla Tati Johnson, bonsoir. Marlene Gamnoa, bonsoir. Celia Chula, wow, bonsoir. Tu as le nom de ma nièce. Joël Jamchou. Et qui encore? Je n'ai pas bien lu. Kamga Kamga, bonsoir. Cohen Hot, bonsoir. Big Lam, bonsoir. Naomi Julio, bonsoir. Partagez. Malice, non, j'ai pensé à toi à l'instant. Je voulais poser la question, mais pourquoi je ne vois plus Malice Lowe dans mes dire, je te jure sur la tombe de ma feu, maman. Mélanie Foka, bonsoir. Lisa Lieu, bonsoir. Noëlla, bonsoir. Julie Laporte, bonsoir. Quête des quêtes, bonsoir. Lily du Continent, bonsoir. Bemson Snap, bonsoir. La Panthère du Zoo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Chelsea Boucard, bonsoir. Ice Scoot, bonsoir. J'adore voir ton profil. Tu as la photo de mon neveu. Chelsea Bouka, j'ai déjà dit. Adja Full Bium, bonsoir. Sidonie Monté, bonsoir. Amando Animateur, bonsoir. Adja Full, bonsoir. Ayana, bonsoir. Henriette Jai, comment tu vas, Henriette? Madame Colette Terrier, bonsoir. Thierry Laurel, bonsoir. Malise Nganoa, bonsoir. Donc, Fatou Mbamba, bonsoir. Nelly Paza, bonsoir. Idiot Dunette, bonsoir. Winnie Nouke, bonsoir. Juliette Brandy, comment tu vas, ma sistou, bonsoir. Alicia Ndé, ma BS, bonsoir. Alors, Sylvie Bakop est là, bonsoir. José Nana, bonsoir. Angèle Béni, bonsoir. Lou Oti, bonsoir. Bonsoir Lou Oti. Josiane Yankam, bonsoir. Sylvie Ducé, bonsoir. Eddy Yamaga, comment tu vas, ma soeur? Bonsoir. Denise Nankam, bonsoir. Nathalie Weber, bonsoir. Rosanne Bouy, j'ai à dire bonsoir, Rosanne. Joël Dadjou, bonsoir. Hey, les noms là sont durs. Bemson Snap, j'ai à dire. Fleur Divine, bonsoir. Jamal Gravenson, bonsoir. Inès Techa, comment tu vas, Inès? Bonsoir. Shanice Cha, bonsoir. Grâce Caroline, bonsoir. Lolo vous dépasse, notre adoré. Lou Oti, merci. Marie Miviel, bonsoir. Angéline Nguesse, bonsoir. Fille Ménois, bonsoir. Les aventures de la famille des Grimont, bonsoir. Fortune Dumé, bonsoir. Sylvie Bakov, merci.
Rosa Domicile, bonsoir. La Rosita Inongo, ma meilleure amie, bonsoir. Mamie Soko Wesley, bonsoir. Impartialité parfaite, bonsoir. J'arrête, non. J'ai trop dit de bonsoir. Choupine, es-tu rentrée? Mamie Soko. Fortune Dumé, c'est Dumé, c'est bonsoir. Sylviane Nicole, bonsoir. Mireille Pluchéri Ngamba, bonsoir. Denise Tanko, bonsoir. Félicité Nanda, bonsoir. Evelyne Wabet, bonsoir. Anne Doris, bonsoir. Anne Rose, bonsoir. Sidonie Garrier, bonsoir. Merline Kefak, bonsoir. Denise Nankam, bonsoir. Astan Escobar, César, bonsoir. Joana Ngomalip, c'est pas? Joana Ngomaljoli, bonsoir. Sylvie Nicole, bonsoir. Odette Lango, bonsoir. Ma jeunesse Adrienne, ma jolie, bonsoir. Hey, les noms, hein. On m'a dit qu'il y a des gâchions. Chaka Zulu, bonsoir. Hey, Orchidée, bonsoir. Henriette est là. Credo, bonsoir. Remarquable. La fleur des sang, des singes. Bonsoir. Chaka Zulu. Denise, bonsoir. J'ai dit Léontine Sapi. Bonsoir. Josiane Yamgam. J'ai dit Vron Vron Simit. La NASA est là. Calvin Wandi Wandi. Bonsoir. Joanne, j'ai dit ton nom. Bon. Bélan, bonsoir. Tatiana, élue de Dieu. Bonsoir. Félicité Ngams. Bonsoir. Flo Sucré, bonsoir. Joanne, j'ai à dire. Rosabelle, bonsoir. Paris de Genève, bonsoir. Rachel Naga, bonsoir. Wilfried Vitor, bonsoir. Merlin Kefak, bonsoir. Joanne, j'ai à lui. Sandine G, bonsoir. Credolina, bonsoir. Tatia Fao, c'est comment non, John, ma petite soeur chérie. Reine Magali, bonsoir. Christian Matala, bonsoir. Virginie Laure, Sanjong, bonsoir. Vanita Meunier, bonsoir. Patrice de Genève déjà. Soumia Mefir, bonsoir. Ainsi, Cynthia, bonsoir. Marie, Stella Marie, bonsoir. Diane Ladrine, oui. Jenny Junior, bonsoir. Sam BLM, bonsoir. Véronique Amas d'Avignon, bonsoir. Joanna, j'ai à lui ton nom. Bon. Bon, ceux qui viennent après, là, tant pis, hein, j'ai à lui tous les noms. C'est bon pour moi, là, je suis fatigué. Adèle Tchakounte, bien que, bien que, bonsoir. Lee Mathilde des Méchants, bonsoir. Alain Transat, bonsoir. Oh, yeah. Rombok Favori, bonsoir. Anne Lamy, bonsoir. Christine Diop, bonsoir. Diane Lefebvre, bonsoir. Nathalie May. Maserati, bonsoir. Jampon Colette, bonsoir. Comment tu vas, Sistou? Josie Ngoms, bonsoir. Ngoms, c'est ça, non? Patrice de Genève, déjà. Nina K, bonsoir. Minette HM, bonsoir. Le Marty des Méchants, déjà. Oh, notre étoile de l'Holomania est la Carole Bowen, bonsoir, ma Sistou. Notre étoile de l'Holomania. La fille de Donald Trump, pas toi, bon, bonsoir. Marie-Hélène Tchemeni, bonsoir. Comment tu vas, ma soeur? Ndiok Bellissima, épouse, bonsoir. Merci Seigneur, bonsoir. Nina Jdehadi, bonsoir. Rose Mélanie Ndjunke, déjà. Karine Nikes, Abosolo, bonsoir. Biglam, bonsoir.
Héros coquille, bonsoir. Les Russes, bonsoir. Vini Vercruz, bonsoir. Lino Ballon d'Or, bonsoir. Jaguar Compressor, bonsoir. Dorcas Bouquet, bonsoir. Patti Makala, bonsoir. Mayam Sœur, Mercedes Mbala, bienvenue, bonsoir. Bête Yvette, bonsoir. Valérie Dola, bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est fini les bonsoirs, ma part. Monsieur a fatigué. Bon nom, là. Excusez-moi hein, pour la prononciation, ce n'est pas mon nom. Beka Afia, notre PDG. Non, hey, je vais appeler le nom de ma sœur. Si. Bonsoir, Annie Vadivas. Hey, c'est ma sœur qui me suit depuis. Jenny Junior, merci pour les cœurs. Partagez le live, s'il vous plaît. Ondalo, tcha, bonsoir. Laissez-moi comme ça, non, il ne peut plus lire. Partagez le direct, partagez massivement. Et a été les femmes d'une des sont tellement belles comme ma mère. Merci beaucoup, chérie. Denise Tanko, bonsoir. Et a dit non. Ok. Notre commissaire puiseur, Junior Bernard Junior Matenge, qui est là, bonsoir. Le commissaire de Tata Lolo, Bamileke Tata. Hey! Maman, le gladiateur de Facebook fait son entrée. Donc, Cass dit qu'il t'appelle le gladiateur. Aïe, maman, la clash. Graziubi, bonsoir. Christelle Sutter, Iki. Ouais, vraiment, donc, Cass, il nous manquait. Christina Matala, Malonga. Hortense, bonsoir. Maman, j'ai dit que les bonsoirs, c'est bon. J'ai dit bonsoir, Noma. Hein? Hein? J'ai dit bonsoir. Les chats. Léché, bonsoir. Autant c'est léché, bonsoir. Tu as dit bonsoir, ma. Laissez-moi comme ça. Bon, partagez le live, partagez massivement. Aujourd'hui, là, mais le Lomania, les followers qui me suivent, la Team TV, vous savez que je suis fâché, Tata. Dis-moi aussi bonsoir. Lionel Karine, bonsoir. Les fils, ils vont se voir comme les enfants. Lionel Karine, bonsoir. Vous savez que Kema Go, bonsoir. Vous savez que moi, il prend beaucoup sur moi dans les réseaux sociaux. Depuis l'année dernière, je suis une personne qui est persécutée. Anne-Louise Basson, bonsoir. Alain Bertrand Nia, bonsoir. Je suis une personne persécutée depuis l'année dernière. Quand vous me voyez souvent sortir de mes gangs comme ça, comme le dernier direct, c'est parce que j'en avais. Parfois, j'en ai marre. Les gens m'appellent, Tata Lolo ne répond pas, ne répond pas. Parfois, ne pas répondre, c'est aussi tuer la personne. Sinil Veran Djenga, bonsoir. C'est aussi tuer la personne. F. Flore Adi, bonsoir. Inès Esso, bonsoir. Ouais, je ne dis plus. Bon, bonsoir, je ne dis plus les bonsoirs, pardon. Excusez-moi. Ok, non, je ne veux pas manquer. La reine mère qui fait son entrée. La reine mère de Lolomania. Si je ne dis pas bonsoir, elle me finit. Bonsoir, la reine mère de Lolomania. La douce Bamoun, bonsoir. Ok. Philomène Fonkou, bonsoir. Lionel Karine, Jolie Dina Bilon, bonsoir. Ok, maman, mais pourquoi tu as l'assistance de qui? La nouvelle femme, prononce le Facebook. Diamzo, mamie Congo, ça, bonsoir quand même. Tu es partout. Hey, direction assistée, bonsoir. Ça fait longtemps que je ne te vois plus, direction assistée. Bon, les gens vont être impatients, il faut qu'on lance le direct. Vous savez, depuis l'année dernière, je suis une personne qui est persécutée. Les gens m'appellent Tata Lolo, on ne répond pas, ne répond pas. Ne pas répondre aussi, c'est tuer quelqu'un. Ou lui dire Fokem, bonsoir. Ne pas répondre, Lolo Gloria, bonsoir, ma fille chérie. Ne pas répondre, c'est souvent tuer quelqu'un. Parfois, laisser les gens se libérer. Parce qu'à force de ne rien dire, tu cumules sur toi et ça peut te tuer. Tu peux avoir même une AVC comme ça, comme les blagues. Donc la dernière fois, j'étais vraiment sortie. Parce que l'histoire de cette fille, l'histoire de la jeune dame que je vais vous dire ici, merci à vous. Vraiment, ça n'aurait pas été ça si vous n'étiez pas là. C'est grâce à votre mobilisation que nous avons eu, nous avons localisé la jeune fille qui était disparue depuis des années. Marie-Michel, je vous dis ici ce soir que grâce à notre dernier direct et la mobilisation qu'il y avait derrière, j'ai vu que d'autres blogueurs n'ont pas relayé ça. Et j'ai trouvé ça dommage. Je trouve ça vraiment. Bon, peut-être certains étaient occupés, mais quand il y a eu l'affaire de Pop, où c'est Pop, vous nous avez harcelés ici.
Vous nous avez harcelés. Oh, pourquoi les blogueuses, elles ne disent rien? Oh, elles ne parlent pas. Elles sont de, voilà, elles sont de connivence avec lui. Elles ne veulent pas parler parce qu'elles encouragent ça. Vous nous avez harcelés sur quelque chose qu'on n'avait même pas. On n'avait même pas toutes les preuves sur la table. Ce n'est pas peut-être parce que les gens viennent témoigner sur Facebook qu'on va s'aventurer à dire on a été victime ici là sur beaucoup de cas ici là. Donc on prend le temps avant de se prononcer sur quelque chose. Je n'ai pas vu Lolita la baronne parler de la disparition de cette fille. Lolita, c'est quelqu'un qui part d'où le vent l'amène. D'où il y a la popularité, d'où elle sait que ça va faire le buzz. C'est là où elle va. Mais quand il y a un problème sur la toile, et je vous dis c'est la vérité. C'est la vérité, parce que Lolita a l'habitude de nous interpeller. Oh, pourquoi vous les bloquez, vous ne parlez pas. Quand il s'agit de Bino Bidjan, quand il s'agit de l'affaire du John Blois, quand il s'agit de personnalités que l'on emporte, que l'on nomme, qui sont des stars. Là, tu l'entends parler et faire comme si elle était trop engagée. Mais je ne t'ai pas vu partager ne serait-ce que la disparition de cette jeune femme camerounaise qui est ta sœur. Je ne t'ai pas vu faire ça. Mais tu vas faire un live où tu parles de ma relation, tu connais, tu dis que c'est à cause de Facebook que je me suis séparée avec mon ex-gars. Est-ce que j'ai déjà parlé de ta relation un jour, ma soeur? Tu es encore en deuil. J'ai pas envie de parler de toi. J'évite même de faire allusion à toi. Mais c'est comme si, ouais, on sait que tu n'as pas à monétiser, tu veux un peu d'argent. C'est pas grave. Mais il faut pas, parfois laisser les gens tranquilles. La dernière fois, quand il y a l'affaire de Popda, tu es sorti, ça nous jeter à la verdict populaire. Dis comment les blogueuses ne veulent pas parler de ça. Les blogueuses, quand c'était l'affaire de Martinez, tu nous as harcelé. Oh, telles choses. Tu as dit, mais quand c'est toi, on te reproche de rien. On ne te dit pas que pourquoi tu n'as pas parlé. J'aurais bien aimé regarder aussi que tu partages aussi la disparition d'une jeune soeur camerounaise. Tu ne l'as pas fait, ma soeur. Tu ne l'as pas fait. Mais on t'a vu t'engager sur l'affaire de Bruno Bidjan. On t'a vu t'engager sur les personnalités au Cameroun. On t'a vu t'engager sur l'affaire. Tout le monde a parlé pour Martinez. On t'a vu t'engager sur le type de. Beaucoup de choses là. Quand tu vois que c'est des voix, c'est des stars, c'est des personnes qui sont connues dans le milieu, dans la diaspora, au Cameroun, dans le gouvernement, c'est là où tu t'engages à parler. Mais quand c'est une histoire sociale, comme ce cas que j'ai apporté, j'ai fait le direct, tout le monde a vu. Toi-même, tu as vu. Mais pourquoi tu n'as pas pris? Tu nous obliges à partager le conseil des caresses fausses. Je ne partage pas. Oui, tu nous obliges. Tu dis que non, on doit partager. Je ne partage pas. Caresses fausses a une communication, non? Elle a une communication. Elle a une communication. Quand un artiste s'engage à faire un concert, il doit venir vers les blogueurs. Tu crois que l'Olympia de Lady Ponce a réussi pourquoi? L'Olympia de la Lady Ponce a réussi pourquoi? Parce que Lady Ponce a collaboré avec les blogueurs. Elle est venue, elle était, même si elle ne parlait pas avec nous toutes, mais il y avait des personnes, sa communication, ses communicateurs qui sont venus vers nous. Ils ont parlé avec nous. Ils nous ont invités lors de la conférence. Ils étaient avec nous. Mais Caresse Fosso, elle reste dans son coin. Tu viens, tu commences à dire que oui, tu nous obliges. Non, je suis désolé. Je ne vais pas le faire. Parce que chez les blogueurs ivoiriens, les artistes ivoiriens collaborent beaucoup avec les blogueurs. Parfois tu vois José avec Aya Robert, parfois tu vois tous les artistes ivoiriens là, ils collaborent avec les blogueurs. Mais chez nous, ils nous méprisent. Non, moi tu ne vas pas m'obliger à partager son concert. Si le concert m'intéresse, le jour qu'il y aura concert, pour si j'achète mon ticket, j'entre, je regarde comme tout le monde. Ok, je te bloque. Allez, ciao, tu regardes. Bonsoir, pasteur supérieur de Komamougou. Je pense qu'il est en train de commenter sur une autre page. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, notre pasteur, parce qu'il me dit qu'il n'arrive pas. Hein? Toi, tu nous obliges, tu nous grondes. Oh, machin, mais. Et si elle collabore, qu'est-ce qui coûte à notre soeur, notre artiste, Caresse Fosso, qui chante très bien, de venir vers nous? Qu'est-ce qui coûte à Caresse Fosso de nous envoyer son communicateur que va voir les blogueurs? Ce n'est pas une obligation. On n'a pas signé un contrat. Elle a signé un contrat, mon frère. C'est du gagnant-gagnant. Merci, Linless. Oh là là, merci beaucoup, Linless Sophie. Merci. Hein? Merci. C'est du gagnant-gagnant. Elle a signé un contrat pour faire ce concert. Elle sera payée en retour. Elle va payer sa communication. Elle va payer tout le monde. Les gens vont pas entrer là-bas gratuit. Mais qu'est-ce qui nous coûte de dire qu'elle va même. Je vais me donner même 500 euros au blogueur. Il va nous remplir la salle. J'ai un contrat avec les artistes camerounais quand ils sont obligé et je dois communiquer. Non, ma soeur, tu peux toi, mais tu peux m'appeler que Lolo, voilà, il y a de Caresse Fosso, mais tu te places, tu fais nous, tu vas nous gronder. Oh non, c'est notre artiste, pourquoi? C'est pas obligé, maman. Non, ce n'est pas obligé. On ne fait plus rien pour rien. Vous nous avez assez exploité dans les réseaux sociaux. J'ai travaillé pour Daphné, si la correctement bien.
J'ai fait la pub dernière si David est devenu international grâce à Allemand, je suis calé, oh, je suis calé. Le gars là me tue avec son regard, je suis calé. Au risque et conséquences, je m'en fous, je suis calé. J'ai fait la pub, vraiment éclaté. J'ai fait, j'ai dit que Daphné, les Ivoiriens, tout le monde ont connu Daphné, même aux États-Unis, partout. Les gens m'appelaient aux États-Unis, croyaient que j'étais parenté avec elle. J'ai dit non, je ne la connais pas. Je suis arrivé au Cameroun, j'ai écouté le son, mais je ne savais pas encore, il va en diaspora. J'ai fait sa promo, j'ai eu quoi en retour? Rien. Non, j'ai rien eu en retour. Dis, Lolita, dis à ces artistes-là de venir. Tu as travaillé avec les 10-11. Toi-même, tu as vu le travail que nous avons battu dans votre équipe avec les 10-11. Si l'Olympia était un carton plein, c'est grâce aux blogueurs. Ce n'est même pas un truc à débattre. C'est grâce aux blogueurs. On a travaillé là-dessus. Les blogueurs ont fait la pub là-dessus. Donc maintenant, si elle veut aussi, elle a qu'à nous contacter. Si elle ne nous contacte pas, moi, je ne parlerai pas de ça. Parce que moi aussi, quand j'ai mon poème qui s'amène sur la toile, vous n'en parlez pas. Voilà notre jeune sœur qui était disparue. On dit que ça fait plus de 5 ans qu'elle était disparue. On ne retrouvait pas. Elle était perdue. On ne la retrouvait pas. Et sa famille est venue vers moi. Merci beaucoup, FM Flore a dit. Sa famille est venue vers moi. Hein? J'ai fait le direct. Ok. Les gens se disent comment. Sa famille est venue vers moi. Ils m'ont parlé, je n'ai même pas reçu un euro. Seulement quand j'ai appris que c'est une concert, c'est juste un Camerounais. Je me suis mis à fond. Et Dieu merci que le même soir, nous avons retrouvé la fille. Nous l'avons localisée. Et je vous dis ici, à tous les followers des réseaux sociaux, à toutes les teams, merci beaucoup. Merci vraiment, merci infiniment. Merci à cette jeune dame-là qui m'a appelé, qui m'a dit Tata Lolo, je connais cette fille. Elle m'a appelé, je dormais. Elle m'a dit Tata Lolo, je connais cette fille, je suis très mal parce que je savais qu'elle souffrait, mais je n'ai pas pu l'aider. Nous avons retrouvé notre jeune sœur. Ok, maman. Ok, maman. Laisse Sophia, Brenda. Ne soutiens personne quand tu as les problèmes. Ils ne te soutiennent aussi. Ils te soutiennent aussi. Merci beaucoup. Ils te soutiennent aussi. Ok. Donc, vraiment, merci énormément. Franchement, vous avez montré que cette femme-là m'a appelé. Elle me dit Tata Lolo, je connais où cette fille se trouve. Je la connais, nous étions ensemble et tout. Grâce à elle, nous avons pu localiser où elle est. Je vais vous montrer quelques vidéos d'elle. Hein. Vraiment, regardez comment la fin d'une jeune femme en Europe. Ça m'a fait mal, ça m'écœure. Je veux vraiment qu'on se mobilise, on aide cette famille. Qu'est-ce qu'on va faire? Où elle rentre au Cameroun? Elle revient après? Vraiment, donnez-nous les idées. Parce que pour le moment, est que... Mais voilà, poussière. Donnez-nous les idées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on essaye de... Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on... Pour le cas de la petite, parce qu'à l'heure actuelle, franchement, elle est... Elle dort dans un... Bon, bref, je vais garder ça pour moi. Je vais pas aller trop dans les détails. Je vais pas aller dans les détails parce que c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Donc, je préfère garder ça pour moi. Vraiment. C'est triste. Vraiment, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Je vous montre la photo de la petite. Merci beaucoup les filles pour les étoiles. Oh, c'est triste. La voici, vous voyez. Attends, je vais tourner la caméra. Je peux faire montrer la vidéo parce que la photo même. Bon, je ne vous montre que ça, le reste... Voilà. Où elle était aperçue. Elle était aperçue. Vous avez vu où je mets encore?
Voilà. Voilà. Voilà ce qu'est devenue cette jeune fille. Voilà ce qu'elle est devenue. C'est triste, hein? C'est triste. Mais un peu flou à vie, arrêtez. Ouais. Hey, maman, ce sont les abeilles qui me donnent les étoiles. Allez, le Maya. Comment que les abeilles viennent gouverner ces. Vous voyez les étoiles, son histoire est triste. Bravo pour la mobilisation. Il faut mettre un PayPal pour qu'elle rentre au Cameroun. Vraiment, laisse Lynn, laisse Sophia. Vraiment, il faut. Vraiment, il faut. J'ai proposé à la famille. À cet état-ci, elle ne peut plus rester ici. Elle ne peut plus. Qui va s'occuper d'elle? Bête, rentre au Cameroun. Bête, rentre. Si sa famille n'a pas, nous allons mettre un PayPal. On les Cam, nous allons acheter son billet d'avion. Faut qu'elle rentre. Faut qu'elle rentre, je vous jure. Non, elle doit rester ici. Elle va rester où ici, là? Dis-nous où elle va. Tu vas t'occuper d'elle. Elle va rester où? J'ai dit qu'elle doit quand j'ai la bouche là. Ouais, elle va rester ou non? Vous avez vu son état? Merci, bonbon. Non, il n'y a pas la bouche. Où est la bouche là? La bouche là peut me tuer. Ben, c'est le mental, ma. Ben, ouais, par le Dieu, oh, arrête. La bouche d'un jusqu'à. Elle doit retourner auprès des siens. Elle a trois enfants ici. Trois enfants français. Ce qui est sûr que quand elle va se rétablir, l'ambassade, ils vont l'accorder un visa. Vous avez vu l'état de la fille? Elle a, nous sommes en été. Voilà, elle a le masque, hein. Tout le monde masque, la personne a le masque. Elle n'a que celle, elle est la seule qui a le masque. Regarde, elle a même pillé ses tennis. Peut-être vous n'avez pas bien vu, hein. Elle a pillé ses tennis. Ouais, mon frère, toi qui fus le pouls de la fille là, papa, on ne te demande rien. Je dis même encore pardon, même comme t'es insulté. Papa, tu es fort. Mais, trouve un moyen pour envoyer ton ex-femme à sa famille. Je te dis la vérité, mon père. Trouve un moyen de renvoyer ton ex-femme à sa famille. La fille dort. Il ne faut pas qu'on se mente. Elle dort dans les foyers. Oh, bon. Elle dort dans les foyers. Hein? Et le matin, elle sort aussi pour aller. Donc, on dit qu'à 8 heures, elle sort, 8 heures, elle sort pour se balader. Sans, tu vois, elle marche avec ses valises partout. Ouais, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est notre compatriote, s'il vous plaît. Pardon. Moi, j'ai dit à ces temps-là que moi, je préfère qu'elle rentre. Ben, c'est quoi? Ben, c'est sa vie en dépend. L'Europe, oui, mais sa vie en dépend. Vous-même, quand quelqu'un est dans cet état-ci. Quand quelqu'un est déjà comme ça. Vous-même, regarde, avec toutes ces valises. Quand quelqu'un est déjà dans cet état, mais de l'ingassi, vous verrez seulement les étoiles. J'ai 25 000 étoiles, je n'ai même pas recommencé le direct. Hey, Clendy, bonsoir. Massa, ça cuit. Ouais, pardon. Parlez à votre frère, ne l'insultez pas. Parlez à votre frère, parce que c'est la seule personne qui peut vraiment maintenant s'engager. Parlez à votre frère. Parlez à votre frère en commentaire. Vous savez qu'il y a des endroits que on n'est pas obligé de s'insulter, mais on est obligé de négocier. À l'aise si on négocie. Ouais, ça. Ouais, maman, le nez de ça. À l'aise si on négocie.
Alors, si on négocie, pardon. Comment je suis? Oh là, si mon maman m'embêta, elle a fait si. Je ne donne pas tous les indices, ma. Regardez seulement la vidéo comme ça. Vraiment, parlez à votre frère. Ne l'insultez pas, pardon. N'insultez pas votre frère. Je vous en supplie. Parlez à votre frère en commentaire. Dites à votre frère qu'il essaye de bouger, de faire tout en sorte pour que sa femme rentre au Cameroun. Parlez à votre frère. Ma pauvre mon fils, bonsoir. Qui doit s'occuper de l'autre? Mais elle a sa famille, elle a son père, elle a sa mère, elle a ses soeurs, elle a toute sa famille là-bas. Hein? Vous voulez qu'elle reste ici? On va la mettre dans les maisons de. On va la mettre en psychiatrie, on va commencer à donner des médicaments bizarres, bizarres là. C'est là où son cas va s'aggraver. Non, gars, pardon. On ne peut pas faire ça. Hein? L'histoire de la dame, c'est quoi en fait? L'histoire de la dame Yacouba, c'est qu'elle avait disparu. Et depuis des années, grâce à notre direct, on a pu la localiser. Elle est en France, mais. Son état de santé n'est pas bien. Voilà, elle est très très mal. Elle est très 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 mal. Numéro pour appeler. Elle est très très mal. Elle ne se porte pas bien. Voilà. Tu vois quelqu'un en hiver, elle a baissé, elle a plié les tennis. C'est pas bon. Donc si on continue à laisser la fille là comme ça, errer dans la rue, c'est pas bon. Donc papa, pardon, nous te demandons. Voilà, Moula Tambour, vraiment mon frère. Je te demande pardon de t'avoir insulté par. Je n'ai pas le choix que de me plier devant toi. Que pardon. Essaye de tout faire pour renvoyer cette fille au Cameroun. Si tu n'as pas les moyens financiers, nous allons cotiser pour qu'elle ait un billet d'avion. Même peut-être avec l'argent même de poche pour qu'elle puisse vivre au Cameroun. Qu'on essaye de voir. Pardon. Avec cet état, je ne peux pas. C'est qu'on la met en psychiatrie. C'est très dangereux. Bête, elle rentre au Cameroun. Elle se soigne. Et voilà, et puis elle revient peut-être même 6 mois après, c'est pas grave, et voilà. Donc le moment venu, bon, ça c'était les nouvelles de notre jeune soeur Marie-Michel, voilà, elle va pas bien, c'est triste, hein, mais voilà, c'est ça, ben. Quand vous nous voyez ici en Europe, vous les gens, vous êtes au Cameroun là, vous croyez qu'on ramasse l'argent dans les rues, nous souffrons, nous souffrons, nous rencontrons tout ici là. Donc avant mes 5 francs, quelqu'un au Cameroun, respectez nos 5 francs. Même si on n'a même pas même le piqué au Cameroun, mais c'est pas ce qu'on vous envoie tous les fois, la tap tap scène. Avec mon code promo, le lot 237. Hein? Je donne d'abord 5 euros aux gens qui vous envoient de l'argent. Parce que quand tu utilises mon code promo, le lot 237, avec le lot 237 avec l'application tap tap scène, je te donne 5 euros. Donc moi-même, je contribue aux gens qui vous envoient de l'argent. Donc, allez télécharger l'application. Nous sommes à la fin du mois. Vous allez gagner encore 5 euros avec mon code promo, le lot 237. Franchement, il faut qu'on aide cette fille. Vraiment, je vous en supplie. Donc, je vais parler encore avec la famille, le père, et voilà, si on va voir, et si son mari peut, mon frère, que je contacte, tu m'as appelé la dernière fois, c'est que tu es fâché de moi. Mais moi, je suis mère d'enfant, je n'ai pas un mauvais cœur. Quand je suis énervé, ça sort comme ça sort. Mais s'il te plaît, entre en contact avec moi, essaie de voir au niveau de la documentation. Essaie de voir au niveau de la documentation, si elle a laissé en situation régulière, et voir comment on peut prendre un billet d'avion rapidement. Pour qu'elle rentre au Cameroun. Voilà. Et puis, le reste, la famille va s'en occuper là-bas. Bon, ce soir, j'ai donné rendez-vous à tout le monde ce soir parce que je vais dire ici là que je ne suis pas là pour prendre le parti de quelqu'un. Depuis que cette affaire a commencé, l'affaire que vous connaissez dans les réseaux sociaux là, je ne me suis pas mêlé parce que j'ai dit que j'ai été aussi victime. Dans cette histoire-là, j'ai été insulté, j'ai été humilié. Je n'ai pas voulu me mêler. J'ai dit, je ne me mêle pas. Je préfère rester et regarder à distance. Alors, cette dame qui vend. Mais j'ai dit plusieurs fois dans les directs que cette dame avait boycotté, elle avait saboté, sali le commerce, l'aiguillatium. Merci de m'avoir appris comment prononcer l'aiguillatium. D'une dame que j'ai représentée ici en France. Et la dame est aux États-Unis. Elle avait fait un live où elle l'a dénigré, mais je n'ai pas regardé tout le live. J'ai regardé juste un peu parce que ça m'a fait mal, tellement fait mal que je ne la connais pas. Je ne sais pas pourquoi elle s'engage à salir le commerce d'une autre personne. Je suis resté, j'ai compris qu'elle cherchait une visibilité pour vendre ses produits. J'ai dit non, stratégiquement, je préfère ne rien dire. J'ai fermé ma gueule, j'ai pris sur moi. C'est l'autre jour quand Lolo vous dépasse. Vraiment, c'est bien. Vous dites souvent que nos faux profits ne servent à rien. Nous, les blogueuses là, nous vivons grâce à nos followers. Nos followers sont comme nos anges. Nos followers sont toujours là pour nous. On peut s'insulter même comment.
Hein? Nos followers, quand il y a la guerre des clans, ah, tu arrêtes. Quand il y a la guerre des clans, nos followers se mettent au travail. Les gens que vous voyez, c'est comme on les appelle les Balolomania, les Abel, les gens de l'église, les décomés, tout ça là. Si nous sommes là aujourd'hui encore, après tant nombre d'années, c'est grâce à nos followers. Ils abattent un travail énorme pour nous. Parfois, je revois les directs que j'ai fait depuis longtemps, quand je peux attaquer une team. Ils sont encore. Mais ils font même comment pour retrouver ces directs-là? C'est le type d'adverse. Quand ils disent qu'ils vont attendre, on va te montrer. Elles partent dans les archives. Elles retrouvent tout ce qu'on a eu à faire. Parce qu'elles sont là pour nous protéger. C'est comme notre. Ils font partie de notre famille. Ces gens-là s'inquiètent même pour nous, parfois même plus que les membres de nos familles. Aujourd'hui, là, grâce à Lolo vous dépasse, qui est un faux profil actif de Lolo Mania. Depuis que l'élément que j'ai dit dans les réseaux sociaux que cette femme avait sali le commerce d'une dame qu'elle ne connaissait pas, tout simplement parce qu'elle voulait se faire connaître, les gens n'ont pas cru à moi. Mais hier, Lolo vous dépasse a sorti cette vidéo où j'ai pris le temps de regarder. Elle m'a même insulté, la boyeuse. Madame, quand vous dites dans votre direct que vous êtes là pour dénoncer les faux produits, est-ce que vous avez eu besoin de m'insulter? Je suis la boyeuse. Est-ce que j'ai aboyé sur vous un jour? Quand vous dites qu'elle est la boîte, est-ce que j'ai aboyé sur vous un jour? Est-ce que je vous ai insulté? Pourquoi vous faites un direct? Tu ne connais pas les thèses de mon contrat? Parce que tu travailles aujourd'hui avec une autre blogueuse. On ne connaît pas les thèses de votre contrat. Mais est-ce que tu as déjà vu une follower ou un blogueur s'en prendre à vos produits avant qu'il y ait les problèmes qui aillent sur la toile? Non. Parce qu'on a compris que les bêtises que nous faisions dans le passé, ça ne nous grandit pas. Il faut qu'on essaie d'améliorer les choses. Donc maintenant, ne prenons pas. Chacune fait sa petite vie. Aujourd'hui, tu es avec une autre blogueuse. Est-ce que tu. Pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu m'as insulté? Tu m'as dénigré. Tu as dénigré le produit de quelqu'un que tu ne connaissais pas. Donc, quand Lolo vous dépasse. Oh, merci beaucoup. Merci Solange Nana. Quand Lolo vous dépasse à sortir cette vidéo-là, j'ai écouté ce que vous avez dit de moi. J'étais choquée. J'ai eu mal. J'ai eu mal. Et j'avais dit que c'était même. Hier, le direct que je faisais hier, c'était juste pour montrer qu'au cas où. Et je vais remercier aussi la blogueuse détracteur, détractrice qui me détestait à l'époque. Elle a pris cette vidéo, elle l'a mise sur YouTube. Aujourd'hui, ça m'a servi. On dit souvent qu'il ne faut pas prendre tout au premier degré. Elle croyait me faire du mal, mais cette vidéo me sert aujourd'hui à montrer au monde, à prouver aux gens que ce que je disais n'était pas faux, que c'était vrai. Donc, c'était en vidéo, on avait vu cette femme en action en train de salir une personne qu'elle ne connaît pas, en train de salir le produit d'une dame qu'elle ne connaît pas. Et aujourd'hui, elle est venue la faire comme si elle n'avait jamais fait ça. Si vous touchez à mes produits, je vais vous porter plainte, on ne salit pas mes produits. Mais pourquoi vous salissez les produits des autres auparavant? Si vous protégez votre produit, est-ce que vous êtes chimiste? Est-ce que vous êtes dermatologue? Est-ce que vous êtes laborantaire pour estimer que le produit de l'autre est faux et le vôtre est vrai? Donnez-nous les souches d'où vous apprenez vos produits. Vous dites que c'est dans un laboratoire. Quel laboratoire? Donnez-nous le nom. Appelez en direct. Vous allez étudier avec ces laboratoires. Arrêtez de venir bluffer les gens sur la toile parce que vous parlez un français soutenu. On s'en fout du français soutenu, ma chère. Le français, c'est une langue. Le français, c'est comme le banganté. C'est comme le menjumbe, la langue de chez moi. Le français, c'est comme le batanga. Le français, c'est comme le mabeya. Le français, c'est comme le boulou. Le français, c'est comme le wondo. Le français, c'est comme le ton. Le français, c'est comme le douala. C'est une langue que le Watt nous a imposée lors de l'époque coloniale. Donc, ne faites pas comme si, quand vous parlez français, ça veut dire que vous êtes au-dessus des autres. Non. Ma petite, elle s'exprime très bien en français, mais elle a tout le respect que je suis sa grande sœur. Même si elle dit que je l'ai dit que, elle ne peut pas venir me mépriser parce qu'elle dit qu'elle allait à l'école plus que moi. Il y a toujours ce respect-là. Ce n'est pas peut-être parce qu'on allait à l'école qu'on va se permettre de rabaisser les autres. Ne venez pas, on sait que, je vais vous dire quelque chose, chers internautes. Ne vous laissez pas bluffer. Quand on dit les fémans, le féman ne tue pas quelqu'un. Le féman utilise sa bouche. Le féman te parle. Tu prends ton étonnant, tu donnes. Il y a des gens qui savent parler, qui savent communiquer. Les féman, c'est des grands communicateurs. C'est des grands parleurs. Ils te font un lavage de cerveau. Et la plupart des commerçants qui sont dans les réseaux sociaux, elles sont très fortes pour la communication. Elles savent laver le cerveau des gens. Et là, elles vous amènent dans un monde, comme j'entends souvent, certains disaient que, oui, tu es classe. Si tu es classe, va être Denise Porter. Si tu es classe, va être Claire Chazal. Si tu es classe, va être les grandes dames, va être Madame Ketia Koutès. Si tu es classe, si tu es tant éloquente, si tu fais des choses aussi bien. Mais qu'est-ce que vous foutez dans les réseaux sociaux? Vous faites quoi dans les réseaux sociaux quand vous n'apportez même pas grand-chose? Vous n'édifiez même pas. Vous êtes dans les clashs. Vous apportez quoi? Qu'est-ce qui peut me blaser avec vous?
C'est pas peut-être parce que vous parlez le français, c'est le français qui blase les petites filles qui nous suivent là. Moi, ça me blase pas. Moi, mon français, je suis bien avec ça. J'ai quand même plus le temps, au moins 30 minutes, 20 minutes là pour lire les noms de mes followers. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir blaser les gens. Alors que derrière ça, vous faites des choses, vous êtes machiavélique. Je suis une aboyeuse. J'aboie, mais je ne bois pas. Mais vous n'aboyez pas, mais vous êtes machiavélique. Comment tu peux avoir... Oui, j'ai eu à clasher une fois les produits d'une dame. À l'époque, quand j'étais en clash fort fort avec les fleurs de Lille et toutes ces filles-là, ben, Radia Mélanie, j'ai dit que Radia a brûlé, brûlé. Mais je n'ai jamais pris son produit comme ça. J'ai mis sur une table, j'ai comparé son produit à un autre produit. Jamais de la vie. C'était les gars, mais c'est que vous êtes allé un peu très loin. Vous avez insulté les premiers. Ce que j'ai fait hier, c'était pour, juste pour attirer votre attention. C'était pour vous dire que madame, la plainte que vous avez portée contre la DG Papa, ça n'a pas lieu d'être. Parce qu'une fille, vous travaillez avec une blogueuse. Vous allez que cette blogueuse-là est votre ambassadrice humanitaire. Qu'elle travaille avec vos produits. Il y a des moments où elle clash, elle a vos produits en face d'elle. Ça veut dire quoi? Si elle clash, elle travaille pour votre société. C'est-à-dire que si elle clash quelqu'un, elle clash avec vos produits devant, c'est-à-dire qu'elle clash au nom de votre société. Alors celui qui se sent indexé par rapport à ces clashs, la personne va aussi venir répondre avec le nom de votre société. Donc c'est une plainte qui n'a pas lieu d'être. Quand vous prenez les égéries, dites à vos égéries que quand tu es en train de clasher, mets mes produits hors de ça ou ne mentionne pas le nom de ma société parce que les gens que tu insultes peuvent s'en prendre à moi. Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être vous croyez que ce sont les plaintes, les matures vues, ce sont les plaintes pour influencer les gens dans les réseaux sociaux. Allez leur dire qu'en France, c'est la France n'est pas le Cameroun. Même au Cameroun aujourd'hui, je pense que la justice commence à être vraiment... la justice ne fait plus les choses qu'il faisait avant. Aujourd'hui même au Cameroun, pour enfermer quelqu'un au Cameroun, maintenant il faut avoir des preuves. Hein. Ce n'est plus la justice du Cameroun que vous croyez avant là qu'on venait enfermer les gens n'importe comment. Aujourd'hui même nos autorités, les hommes en tenue, c'est là, ils ont peur. Parce qu'ils savent qu'il y a les caméras, il y a les téléphones, il y a tout ça. Ça peut sortir et le gouvernement n'accepte plus la corruption. Et dans les réseaux sociaux, ça, on relaie ça dans les réseaux sociaux et ça va très vite. Donc quand vous partez porter plainte à quelqu'un, c'est le matu vu. Nous sommes en France. Ce n'est pas celui qui porte plainte qui a raison. Je suis désolé. Ce n'est pas peut-être parce que tu as porté une plainte que tu auras osé automatiquement sur ta plainte. Non. Et à venir faire une plainte, venir faire le bluff sur Facebook, j'ai porté plainte, citation directe, nanani nanana. Ça ne fait peur à personne. Nous allons accompagner Nadège Mbappa avec nos preuves aussi que vous nous avez salis sur la toile. Je verrai comment le procureur ou le juge qui va juger cette affaire, il va vous regarder ces jours-là. Parce que quand tu veux porter plainte à quelqu'un, rassure-toi que tu es clean, rassure-toi que tu es propre, rassure-toi que tu n'as rien fait à quelqu'un. Nous vous avons vu, je ne suis pas ici pour elle, je ne suis pas l'avocat du couple Messan. Parce que vous avez, vous vous êtes connus, vous êtes des frères du village. Vous vous appelez frères et sœurs, vous faisiez de la même famille. Et aujourd'hui, j'ai toujours reproché ça au papa des jumelles que je n'ai pas digéré. Le papa des jumelles, c'est quelqu'un que j'ai porté dans mon cœur. À l'époque, il y avait la guerre des clans, il y avait la guerre des clashs. Je me rappelle, je suis parti faire une guerre contre les abeilles, seul, avec mon fils Lolo Lapin, quand on s'acharnait contre sa femme. Je suis allé, j'ai fait des trucs à leur nom. Mais une fois, j'ai dit à ce monsieur que le papa des jumelles, celle que tu appelles ta soeur, m'a dit à moi au téléphone de te laisser dans ta merde. Mais comme je n'aime pas qu'on assèle quelqu'un, j'aime jouer les sapeurs-pompiers. C'est plus aujourd'hui, c'était avant. J'aimais jouer les sapeurs-pompiers parce que j'étais vraiment naïf dans les pauvres, dans les réseaux sociaux. Je voulais tout être là, mais je ne regrette pas. J'ai fait cette bagarre, j'ai fait cette guerre avec mon fils Lola. Dans cette guerre, j'étais caricaturé, j'étais insulté, j'étais humilié. Et c'était mon problème. C'était pas mon problème. Je suis venu me mêler d'une histoire qui ne me concernait pas. Mais quand il est rentré, il n'a pas pris compte de mon travail. Il n'a pas pris compte de mon soutien. Ça m'a choqué. Ça m'a fait mal parce qu'il a dit, ma soeur, il avait dit quand cette fille n'est pas une fleur de lune. Il a dit mot par mot, si on met Fleur de Lille et on met cette fille, je vais prendre d'abord ma soeur. Et ça m'avait choqué. J'ai dit non, on ne peut pas dire ça en public. C'est que j'ai dit que ce monsieur était vrai dans cette relation-là. Il aimait vraiment cette fille, pour de vrai. Il ne faut pas se mentir. Et je ne l'en veux pas pour ça, c'est naturel. C'est un grand frère qui aime sa petite soeur. Nous, on prenait ça mal au début, parce que bon, on avait aussi besoin d'affection de notre grand frère. On ne voulait pas qu'il soit celui qui fait la combine. Mais aujourd'hui, on a compris que, bon, les choses sont faites ainsi. On fait ça comme ça. Et après, quand il est rentré, on s'est vu chez Aïcha Sol. Même sur le plateau de Aïcha Sol, il y a des moments où les animatistes là qui voulaient entrer toute la vie et prouver les gens. C'est moi qui prenais sa part. Mais quand on est sorti de là, j'ai vu un peu les directs sur Facebook, par rapport à ma télévision. J'étais choqué.
Tu dis que, mais ce grand frère-ci, est-ce qu'il ne voit pas tous les efforts que j'ai déjà faits? Il ne voit pas l'amour que je porte pour lui. Je l'ai déjà défendu plusieurs fois. J'ai déjà tout fait. J'ai même été insulté. Les abeilles m'ont caricaturé. Je ne sais pas les abeilles d'aujourd'hui, ma. Quand j'entends des petites pouchias dire qu'elles viennent défendre Fleur de Ligerie, vous n'atteignez rien. Vous n'aimez même rien. Même un grain de sable dans la mer par rapport aux abeilles qu'il y avait avant là. C'était des gladiateurs. C'est des gens que quand ils entraient dans ta vie, ils vont entrer jusqu'à même. Ouais, si tu. Ils gâtent même ton mariage. Je dis que on te cherche encore dans Facebook, on te voit. Puis ils ont fait fuir les gens des réseaux sociaux. Que les gens ont dit que maman, j'ai déposé les armes. Ce n'est pas les histoires d'aujourd'hui. Ce grand frère n'a pas. Non, rêve. Je suis désolé, rêve. Laisse-moi parler. Ça va aussi l'aider à comprendre. Oui. Ça va aussi l'aider à comprendre que j'avais aussi eu mal. C'est pas que j'aime. Moi, j'aime beaucoup ces messieurs. C'est pas peut-être parce que j'ai dit ça que cet amour va finir. Non. Mais j'ai dit ce que je pense. Il sait bien que j'ai beaucoup d'affection pour lui. Malgré tout ce qu'il a eu à faire. Je l'ai déjà insulté sur ma page un jour. Ça qu'on dit souvent que ne crois pas que c'est celui qui te dit tous les jours qu'il t'aime, il t'aime. Moi, je ne peux pas avoir le courage de prendre ma caméra et de cacher cet homme-là. Je ne peux pas. Parce que pour moi, c'est quelqu'un que j'ai connu hors des réseaux sociaux. Je l'ai remarqué quand j'habitais en Suisse. C'est quelqu'un que les gens vénéraient en Suisse. C'était une personnalité. Elle fait un bon bis, comment ma star? Tu vas bien? C'était une personnalité en Suisse. Ce n'était pas n'importe qui. Quand tu entrais dans n'importe quel milieu, tu vois un homme grand de taille, bien, avec les bijoux partout, la beauté, la fraîcheur. Tu dis que waouh! Et la première fois que je l'ai vu, j'étais allé à la soirée de Lolita la Baronne. Elle avait fait venir Petit Pays à Bienne. Elle m'a dit que ouais, Yamsel, viens. Comme moi j'habitais à Bienne. Je suis parti, je ne connaissais personne. Je connaissais que Hervé et Lolita. Je suis parti avec un ami à moi. Arrivé là-bas, c'est le ce jour-là que j'ai vu. Pour la première, j'ai entendu parler de lui dans la ville, mais je ne l'avais jamais vu comme ça de vrai. J'ai dit, waouh, il est un homme costaud, grand de taille, bien là, bien habillé, bien. Mais c'est un homme qui avait. C'est un homme influent dans la diaspora. Donc pour moi, je peine toujours à l'insulter parce que l'image que j'ai de lui, ce n'est pas l'image que j'ai dans les réseaux sociaux. Et je n'ai jamais osé le faire. Bon, j'ai quand même blessé un peu lancé les petites piques. Quand ils voyaient qu'ils s'en prenaient à ma télévision, ils faisaient des lives là-bas et tout. J'ai compris que c'est un homme qui a beaucoup d'amour. Et quand tu aimes beaucoup les gens, parfois tu deviens naïf. L'amour t'aveugle. C'est parce qu'il aimait sa sœur. C'est à cause de ça qu'il y a eu des choses qu'il a eu à faire. Je pense qu'aujourd'hui, il regrette. C'était par amour. Donc, dans l'amour là, ce n'était pas partagé. Bon, Nessa, c'est leurs histoires. Donc, je me suis énervé, puis j'ai dit que bon, leur histoire a commencé. Ça a divisé les Lolomaniens, ça a divisé la rue, ça a divisé la reine, même Bio, Patricia May, elle avait les. Tout ça. Moi, j'étais à Abidjan. Je leur ai dit quelque chose que Patricia May, c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu. Je ne peux pas traverser Patricia May pour aller faire une guerre contre elle. Je préfère rester à l'état. Parce que je ne peux pas. J'avais bien envie de dire des mots à cette femme-là. Mais par rapport à Patricia Mel et la reine Bio, je me suis retardé parce que je sais que c'est des personnes qui m'ont toujours soutenu. Alors rêve bien la Russie qui fait partie, qui rêve, Coco Poitou, Nadège Mbappa, elles se sont engagées de soutenir M. Messam. J'ai dit que je ne peux pas aller à l'encontre. Elles ont leur team, moi j'ai la mienne. Je vais seulement regarder. Elles ont fait le combat, elles ont fait le combat. Et puis voilà. Mais je vois cette dame chaque jour sortir, insulter. Mais madame, tu insultes quelqu'un qui ne t'a jamais insulté. Il ne te lance même pas les paraboles. Il ne te dit même rien. Bon, bref, je ne suis pas venu là être son avocat. Mais vous montrez un visage que moi je ne comprends pas. Vous êtes venu vendre vos produits ou vous êtes venu faire des clashs. Vous avez sali aussi le produit, le commerce de sa femme. Vous avez dit que c'était AliExpress. Vous avez dit beaucoup de choses. Mais sa femme est restée muette face à vous. Elle n'a jamais rien dit. Elle n'a jamais rien dit. Mais vous continuez. Bon, Nadège Mbappa, étant donné qu'elle avait les problèmes avec son grand frère, il y a eu quoi? Il y a eu mort d'homme. Quelqu'un a tué l'autre. Moi, j'ai appelé les policiers, les gens sur la toile. Quand on m'insulte jusqu'à. Moi, après, je n'ai pas arrangé. Je n'ai pas fait quoi au couple Messam. Au couple Lamotte. Je n'ai pas fait quoi au couple Lamotte ici, là. Mais on dit le couple Lamotte et moi, nous sommes des bons amis. Parfois, même le président me dit que Lolo, tu viens à la maison, quand viens manger, viens à la maison, il y a la fédérique président, pardon. Parce que j'évite que c'est pas chez lui, on m'a dit que, hein, elle est là, parce que c'est le président Amoun. M'a dit, j'évite ça. J'ai dit que non, papa, non. Un jour, ça va venir, mais pour le moment, là, je peux faire un peu, non, parce que je connais les affaires des réseaux sociaux. Je ne veux pas. Sinon, nous sommes en bon terme, on ne s'appelle pas tous les jours, mais de temps en temps, il prend les nouvelles de moi ou je prends les nouvelles de lui. C'est clair, on ne parle pas de quelqu'un, on ne sabote pas quelqu'un. Voilà.
Donc, qu'est-ce que je n'ai pas fait au couple amour? Qu'est-ce que je n'ai pas fait à d'autres personnes sur la toile? Pourquoi il y a eu mort d'homme? Ils sont allés en justice parce qu'il y avait des haineux qui ont soutenu ça. Il y a des gens, parce que cette team-là, il faut qu'on se dise les vérités, cette team, c'est une team machiavélique. Oui, c'est une team qui ont, ils ont faim du sang, ils ont faim du mal, ils ont faim de détruire les gens. Parce qu'à chaque fois, cette team-là, ce sont eux qui étaient d'abord les auteurs de l'arrestation de Flor de Lis au Cameroun, dans l'avion au Cameroun. Maman, même s'il y a réconciliation, hein, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Même si elle me réconcilie avec quelqu'un, il y a des choses que nous reviendrons toujours dedans parce qu'on vit avec notre passé. Nous allons revenir toujours avec ces choses-là. Elle a été humiliée au Cameroun dans le vol. Dans le vol, on a vu comment on l'a traînée. Voilà. On l'a encore arrêtée au Cameroun où il y avait sa mère en France. Sa mère vient ici en France, était malade. Donc elle est restée au Cameroun bloquée. Son nom était à l'aéroport, comme le mien, comme celui de Mini Mignon, comme celui de Lydia. Pour une histoire de Facebook. Pour une histoire, parce que ces gens-là ramènent vos noms. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va aussi vous clasher. Si maintenant, quand vous utilisez votre autorité, vous utilisez vos relations au Cameroun pour nuire aux Camerounais, vous partez nous porter plainte d'Interpol, vous détruisez nos vies. Et ils sont contents de célébrer, de dire oui, voilà, au machin, les challenges, ceci, les challenges de passeport. J'ai entendu quelqu'un qui a dit que j'avais fait le challenge de passeport. Il faut souvent vous méfier avec moi. Hein. Une fois qu'elle a vu la plainte, là, j'ai dit à ma tante, elle est encore vivante, que ne fais pas le challenge de passeport là. Parce que je sens le flou dans l'histoire-ci. Il y a le flou. Et si les gens se rappellent bien, ma tante avait fait un direct où ces gens-là sont entrés pour dire à ma tante que c'est faux, il n'y a pas mon nom dedans. J'ai fait le challenge passeport quand Flo, il était déjà sorti. J'ai fait comme si. J'ai dit qu'il ne va même pas attaquer les abeilles là. Je vais faire l'ironie. J'ai commencé à faire l'ironie, faire comment elle parlait souvent. J'ai encore le direct là sur ma page. Elle était déjà sortie. On l'avait même déjà arrivé sur passeport. C'est pour pas même déjà rentrer en France. Je n'ai jamais fait ce challenge passeport là quand cette affaire était en cours. Que je ne fais pas. Je ne fais pas ce challenge passeport. Alors à un moment donné. Vous régalez toujours d'apprendre qu'on a arrêté vos soeurs. Vous vous êtes régalé pour Flor de Lis. Elle a payé plus de 3 millions au Cameroun. Il y a eu des dégâts. Hein. Il y a eu la chance de sa mère. Il y a eu la peur. Elle peut avoir quelque chose. Elle a fait la cellule au Cameroun. Elle était arrêtée à l'aéroport. Son passeport était bloqué. Vous vous êtes régalé. Moi, dans tout, je reviens aussi. Vous régalez ou vous m'avez appelé Momoko aussi que je suis le rat, que je me cache partout au Cameroun. Vous vous régalez parce qu'il y a une affaire qui s'est passée. Vous avez insulté les Diponce. Mais vous étiez les premiers à encourager les Diponce à me porter plainte. Alors que vous avez fait plus pire que moi. Si vous voulez, je mets le direct où vous avez insulté les Diponce. Merci beaucoup, FMBombis. Merci, Master. Si vous voulez, je mets le direct. Vous allez écouter les atrocités, des mots graves, aussi vulgaires, jusqu'à dire des mots que moi-même, je n'ai pas pu dire dans mon direct. Mais comme la star n'avait pas vu ce direct-là, c'est moi qu'on a mis devant. Et c'est les mêmes personnes qui ont fait le direct sur la star qui est en train d'activer, activer pour qu'on m'envoie à Koudengi. Comme Dieu est grand, je suis l'enfant de Dieu. Moi, j'aboie, mais je ne mords pas. Je ne mords pas. Vous avez tout fait pour que cette femme m'envoie en prison. Votre plaignant, c'était une affaire classée. Parce qu'il n'y avait rien. Je vous ai entendu dire que le tribunal a fait que, oh, ça fait qu'on ne porte plus plainte au Cameroun, aux gens n'importe comment. Je vais remercier le travail du papa d'Interpol, du monsieur d'Interpol, le directeur d'Interpol, parce qu'il a battu. Il a dit non, hey, moi je ne suis pas dans vos choses là. Vous l'avez porté plainte, lui. Elle vous a insulté, lui. Donnez-moi les preuves. Donnez-moi les preuves. Non. Si c'était moi qui était dans ce bureau avec un dossier pareil, je n'aurais jamais mis Interpol. Vous êtes qui pour mettre le nom des gens à Interpol au Cameroun? C'est des gens qui n'ont pas volé, elles n'ont pas fait quelque chose de grave, mais vous prenez leur nom, vous mettez dans les aéroports. Ce ne sont pas des voleuses, vous avez très mal fait. Le monsieur a dit, tant qu'il n'y a pas de preuves, elle rentre chez elle. Et la star a fini par comprendre qu'il y avait manipulation dedans, elle a arrêté. Pendant ce temps, vous êtes en train de jubiler. C'est que je ne pardonnerai jamais au père de mon enfant. Je ne pardonnerai, je ne sais pas où je vais trouver la force de pardonner à cet homme. Sachant que j'avais laissé l'enfant avec lui. Les mêmes gens qui souhaitaient qu'on m'envoie à Koudengi. Il a osé laisser les gens mettre une vidéo de lui une fois dans son Facebook, deux fois dans le Facebook. Il a dit que, au point de dire que mon enfant a volé, rien que pour ça. Je ne suis pas sûr que si ce gars ferme les yeux, je ne souhaite pas. Je vais même me placer devant la porte lui à un deuil. Parce que je n'ai pas compris ça. Que c'est quelle ignorance, c'est ça. Si quelque chose t'arrive, vous me parlez d'amour. Moi, on se trompait. Moi, mais j'ai même fait plus pire que lui. Mais ce n'était pas devant les caméras. J'ai fait plus pire que lui. C'est pour vous dire que ce n'est pas ça qui m'a énervé. Où j'ai pris la décision que chacun prend sa route. Je me fais crever.
Parce que j'ai dit, ce n'est pas avec ces personnes-là que tu pouvais faire une coalition pour me faire du mal. Non, même au nom de ton enfant. Je suis resté au Cameroun 2 mois et 2 semaines. Parce qu'il fallait... La fête est finie depuis, hein. Reprends les billets d'avion, moi j'ai bu longtemps. À un moment, je me sentais aussi bien au Cameroun. C'est mes amis que j'ai eus dans la vie, qui m'ont soutenu, qui ont dit non, c'est une affaire fausse. Ils ont enlevé. Ils ont dit non. Lui-même, il a compris que hein, derrière moi, c'est caché aussi les gens. Il a compris que moi aussi, Dieu m'a apporté les... Comment dire, rêve, tu as dit quoi aujourd'hui là? Rêve, tu as dit quoi dans tes temps, dans ton... Que le logo de passe était quoi j'ai oublié. Dieu m'a aussi apporté mes protecteurs. Ils étaient là. Ils m'ont dit, si tu as raison, si tu n'as pas tort, tu ne vas rien payer. Contrairement à ma soeur, elle a payé plus de 3 millions pour retirer son passeport à l'aéroport. Moi, je n'ai même pas donné un centime, Dieu m'est témoin. Même un euro. Je dis même un euro quand il sortait du bureau du procureur. Des aides de destinée. Voilà, Dieu m'a donné mes aides de destinée qui m'ont protégé au Cameroun. Je n'ai pas donné un centime quand il sortait du bureau du procureur. J'ai trouvé ses secrétaires que Tata Lolo, Tata Lolo, j'ai même eu honte. Les femmes s'y m'ont remarqué. Avec la honte, j'ai ouvert mon porte et mon nez. J'ai dit que les mères, pardon, prenez-moi la vie avec ça. Elles ne m'ont rien demandé. C'est moi-même volontairement dit que les mamans, prenez vos bières, buvez quelque chose avec. Je n'ai pas donné un centime. Le directeur d'Interpol ne m'a même pas demandé un euro. Donc si je n'avais pas mes aides de destinées derrière moi, si je n'avais pas ces bons gars, ces grands garçons, ces héros boulous, je serais où aujourd'hui? Peut-être en Conengui. Parce qu'il y aura la manipulation. Peut-être que je serais en train de dépenser même, peut-être même 5 millions pour une affaire qui n'avait pas de preuves. Il n'y avait rien. Ils ont jubilé. Ils ont jubilé. Pendant cela, mon enfant était en Europe. Mon enfant était seul à la maison qui ne voyait pas sa mère. Si quelque chose arrivait à Louise Gloria, est-ce que vous vous êtes posé? C'est ça que je dis que ne vous fatiguez pas à dire que je ne vais plus parler avec elle. Parce que moi, je n'ai pas besoin de parler ça tous les jours. Je suis une fille tellement gentille. Une fille avec un grand cœur. Mais je sais aussi dire non. Je prends le temps pour dire non. Je peux dire non aujourd'hui, non demain, non après demain. Mais il y aura un jour qui va dire que mon nom sera définitif. J'ai pris sur moi. Dieu a fait grâce. Je suis rentré ici. Je ne vais pas vous mentir. Quand je suis rentré en France, j'ai eu un paludisme sévère. J'ai eu un paludisme sévère. Demandé à Mimi Volpo, j'ai failli mourir. Donc je ne peux pas pardonner à cet homme-là. Jamais de la vie. Tu vas me dire que. Tu crois qu'un homme va me tromper avec la mère sur la France, ça va m'énerver. L'homme va me tromper pour aller vivre dans une maison seule alors que la femme dort avec le blanc. C'est pourquoi ça va m'énerver avec quoi? Regarde, moi-même, j'ai pris. Pas être d'or, il dit mon poison est parti. Ça, Dieu, ça va me faire quoi? Quand il a dit qu'une autre idiote qui dit que tu vas acheter. Maman, je n'ai pas besoin de ça. Mais dans la vie, il faut apprendre à prendre des décisions pour son bien-être. Je suis rentré, j'ai eu un paludisme sévère. J'ai été isolé à l'hôpital pendant une semaine, mes frères. Une semaine. J'étais à l'hôpital débris, seul dans ma chambre. Je n'arrivais même plus à mettre quelque chose dans la bouche. J'ai dit que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramassé ce paludisme-là au Cameroun. Des maladies, ils m'ont dit que c'est des maladies rares. Dans un moment donné, mes frères, il faut arrêter avec la méchanceté. Il faut arrêter avec la méchanceté. Nous sommes en 2024. Nous, les blogueuses camerounaises, là, surtout nous, la diaspora, nous peinons à réussir parce qu'il y a trop de clashs. Il y a trop de haine. On peut ne pas se parler, mais chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie. Bon, je ne vais pas te bloquer pour les conneries que tu as racontées. Bisous à tout le monde, hein, tous ceux qui sont du côté de la page à cœur ouvert, les deux pages à cœur ouvert. Bisous à vous là-bas. Je ne lis pas vos commentaires parce que je suis abonné. Je suis Tata Lolo TV. Rejoignez-moi sur Tata Lolo TV. Alors, cette dame, Monsieur Messam, on m'a dit hier que vous m'avez bippé dans votre direct. Je n'ai aucun problème avec vous. Jamais. La colère est partie. Je ne vous ai jamais détesté. Je n'ai jamais rien eu contre. Vraiment, je ne vous ai jamais porté un mal dans mon cœur. Franchement, parce que je n'arrive pas. Je vous apprécie beaucoup au point où je n'arrive même pas à vous détester. Donc, pour moi, c'est une histoire close. Maintenant, je viens sur les affaires de cette dame-là. Cette dame apporte. Qu'est-ce qui me fait sortir le nom vous dépasse. Merci encore infiniment. Elle a sorti le direct, elle a sorti la vidéo.
je mets la vidéo pour rappeler juste à la femme que tu, la plainte que tu peux porter à Nadège Mbapa, la citation directe que tu envoies à Nadège Mbapa, soit disant qu'elle a sali ton commerce. Voilà une vidéo qui montre où tu as sali le commerce d'une femme que tu ne connaissais pas. Mais la femme pas faire un live hier où elle ment. Mes frères et sœurs, cette femme-là ment. Elle a osé dire hier, elle a continué à mentir. Madame, vous dites que vous êtes inspecteur de santé. Vous détectez les faux produits sur la toile. Mais pourquoi vous ne détectez pas les faux produits des autres personnes? Qui vous a mandaté dans les réseaux sociaux? Qui vous a mandaté? Vous êtes qui? Qui vous a mandaté dans les réseaux sociaux d'être devenu contrôleur des faux produits? Vous êtes une entrepreneur, vous êtes là pour détruire les autres. Qui vous a mandaté dans les réseaux sociaux pour estimer que le produit de tel est mauvais, mon produit est bon plus que les produits? Vous êtes chimiste? Question. Si vous êtes chimiste, apportez-nous tous vos documents de formation. Apportez-nous ce que vous avez fait à l'école. Il y a des preuves avec des diplômes. Montrez-nous vos diplômes. Montrez-nous que vous êtes capable. Est-ce que vous êtes laboratoire? Vous avez travaillé dans un laboratoire? Comment vous avez fait pour composer vos glutathion? Glutanière? Comment vous avez fait? Dites-moi un peu. Quel produit vous avez composé pour estimer que vos glutathion travaillent plus que le glutathion des autres? Dites-moi un peu. Vous vous basez sur quoi? Alors que vous-même, vous commandez comme tout le monde. Vous passez les commandes dans un laboratoire comme tout le monde. Qu'est-ce qui vous prouve que votre laboratoire est... Qu'est-ce qui vous prouve que votre laboratoire est favori par rapport au laboratoire des autres? Qu'est-ce qui vous prouve que votre laboratoire est la meilleure par rapport au laboratoire des autres? Est-ce que vous travaillez dans ce laboratoire? Est-ce que vous avez déjà rencontré les clients des autres? Pourquoi vous faites ça? Au point de salir, encore hier, vous dites que moi, je suis capable de mettre la vie des gens en danger pour de l'argent. Madame, c'est que vous ne me connaissez pas. Vous entendez peut-être parler de moi, ou peut-être vous m'entendez souvent aboyer, mais vous ne connaissez pas la personne qui est Lolo. Je ne suis pas une bluffeuse. L'argent ne me bluffe pas. Je ne suis pas une rire. Je ne suis pas une envieuse. J'ai tellement vécu. Je suis née dans un bon cadre. Je suis dans un bon cadre. J'ai vu l'argent dans la boutique de ma mère. J'ai vu ma mère compter les millions dans sa boutique, les millions. Compter quand elle partait acheter la marchandise à Douala. Je comptais même avec ma mère l'argent que tu es en train de voir aujourd'hui. Je comptais avec ma mère. Quand elle se rendait son compte, elle me dit que John, viens, on compte. Je peux avoir ça, on commence à compter. Elle me dit que je vais aller à Douala acheter ma marchandise. Maman, j'ai vu l'argent. J'ai vu l'argent même chez mon père. Pourquoi mon père mettait là l'état. Tu peux même prendre son ami pour laver, tu trouves l'argent dedans. J'ai vu l'argent. J'ai connu une belle enfance. Mon papa avait une belle maison. Notre maison où on a grandi, il y avait de la bernoire. Il y avait tout. Il y avait un confort. Je ne suis pas bluffée. L'argent ne me dit rien. Je préfère. On dit à Baganté qu'un couni branché à Moni. L'amour dépasse l'argent. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. C'est l'amour avec les gens qui m'intéressent. Vous vous basez au point de dire que celle qui vendait mes glutations, la dame qui vendait mes glutations, ses produits ont causé beaucoup de dégâts sur les. Il y a une qu'on a enlevé son col utérus. Il y a une que son poumon était bousillé. Il y a une que. Madame, devant 2500 followers, je vous demande, je vais ici, je les prends en témoin. Sortez-moi une seule vidéo ou venez avec un témoin. Un témoin qui vient avec les preuves. Nous montre que elle a acheté les produits de cette dame et la dame a causé des dégâts sur elle. Je quitte Facebook. Si vous ne me sortez pas ça, fermez-la jamais. Cherchez vos clients. Le glutathion, on vend ça dans AliExpress à 10 euros, 20 euros. Ça a les mêmes effets avec ce que vous vendez. Il n'y a pas de différence. Mais c'est que chaque commerçant sait vendre. C'est chaque commerçant qui valorise, qui met sa chose en valeur, qui met son produit, qui vante son produit et ça attire les gens. Il n'y a pas de différence avec ce que vous vendez. Vous avez dit des choses, vous avez dit que celle qui vend le mot, c'est que c'est de l'huile. L'augmentation vient en plusieurs formes. C'est comme le Doliprane. Ça vient en plusieurs formes. Pourquoi vous vous basez pour détruire le commerce d'une sœur, d'une compatriote? Et vous ne le faites pas seulement sur les réseaux sociaux. Vous ne le faites pas seulement sur Facebook. Vous causez des dégâts sur TikTok. Sur TikTok, vous êtes devenu comme le FBI. Vous êtes devenu comme la policière des femmes qui vendent le glutathion. Vous êtes devenu comme... Donc vous harcelez les femmes qui vendent. Vous avez harcelé la fille à bijoux. Vous avez harcelé une Togolaise.
Vous avez harcelé. On dit que les faits, chaque jour, elle vend les faux produits. Ce n'est pas comme ça que vous pouvez vendre, madame. Arrêtez le sabotage. Et sur TikTok, c'est pas bien. C'est méchant ce que vous faites. Et je ne vais pas vous mentir, votre regard reflète la méchanceté. Je ne vous mens pas. Je n'ai jamais supporté à vous regarder même 30 secondes, même une heure. Parce que quand je vous regarde, j'ai peur. Parce que je vois une femme qui est machiavélique. Parce qu'il faut avoir le courage de détruire le commerce de tes soeurs. Ce n'est pas seulement celle qui travaille avec moi. Oh, dans TikTok, j'ai regardé votre TikTok hier, j'étais choqué. J'étais choqué, je dis, mais attends, ce n'est pas seulement sur Facebook. Elle fait ça partout, même sur TikTok. Mais comment vous pouvez me dire que c'est le couple méchant qui vous met dans la poubelle? C'est vous, vous êtes une clasheuse depuis très longtemps. Vous voulez vous faire une starmania, vous voulez vous faire une visibilité, vous êtes une clasheuse. Une femme qui vend les produits à qui les clients doivent avoir confiance, raconte ce qu'elle a vécu avec ses amis hier, raconte ce que ses amis ont dit des autres. Comment je peux, moi, qui a besoin des produits chez toi, comment je peux, bonsoir notre étoile, Carole Bouet, comment je peux avoir confiance en toi de venir acheter vos produits, sachant que demain ou après demain, si ça se passe mal entre vous, vous viendrez me clasher. Parce que quand tu es ami avec quelqu'un, le jour où l'amitié finit, chacun prend sa route. Vous avez tellement dit des choses, je me dis, bon, c'est entre eux, ils étaient ensemble, mais ils ont cassé, tué, comme nous on dit souvent. Mais ça attire quand même l'attention des gens. Vous êtes parti sur TikTok, vous causez des dégâts sur TikTok, madame. Vous causez des dégâts, c'est vos soeurs africaines, même les Européens. Qui a créé Facebook, le centre commercial actuel, dans les réseaux sociaux, n'a jamais pu le courage de venir dans les réseaux sociaux, dire que le produit est tel et faux. Pourquoi le noir n'aime pas voir son frère évoluer? Le noir, c'est le cancer du noir. C'est toi qui fais maintenant que toi, tu es devenu maintenant contre, ou tu es devenu contre des prix, ou contre les faux produits dans Facebook. Tu es commerçante de mutation, ou tu es contrôleur des faux produits dans Facebook. Pourquoi tu envies celles qui vendent comme toi? Pourquoi tu veux détruire celles qui vendent comme toi? Et hier, quand j'ai fait mon direct, je ne voulais pas venir faire le direct le lendemain sur toi. C'était juste pour c'était un éveil de conscience. C'était pour attirer ton attention. Que la plainte que tu as posée à Nadège Mapa, ça n'a pas lieu d'être. Il faut annuler cette plainte. De tu pars, tu mens sur moi. Tu mens sur la fille qui travaille avec moi. Tu racontes des histoires. Tu dis qu'elle a arrêté les produits, qu'elle ne vend plus les produits, qu'elle était poursuivie en justice. Chose qui est fausse. Je vous rappelle que madame, cette femme a 4 magasins aux États-Unis. Dégustation, tu as dit que tu commandes ça aux États-Unis. Elle est assise aux États-Unis avec 4 magasins dans 4 États. Et je vais la prendre dans mon direct. Elle va faire le direct. Elle sera en direct de son magasin. Pas Internet. Pas le commerçant. Commerce d'Internet. Si vous allez me dire si aux États-Unis, vous qui êtes, il y a beaucoup d'Américaines là parmi nous. Si vous qui êtes aux États-Unis, les Américains acceptent la contrefaçon. Si tu l'as pas pour avoir peut-être vendre un produit, il faut voir la certification de ce produit-là. Si les Américains acceptent pas, dites-moi en commentaire, madame, on ne fait pas ça. Vous avez menti qu'elle a arrêté. Elle est là, elle n'a jamais reçu de plainte. Elle n'a jamais été poursuivie en justice. Elle n'a jamais, tout ce que vous avez rencontré sur vous, sur elle, c'est faux. Elle n'a jamais eu la plainte d'une cliente. Elle n'a jamais eu tout ça. Elle continue à faire ses lives sur TikTok. Hier, quand je l'ai appelée, elle était en live TikTok. Elle m'a dit, tata Lolo, attends, je suis en live, mais c'est urgent. Elle est obligée de me rappeler. J'ai dit, voilà, elle me dit que non, j'ai fini, je t'appelle dans sa boutique. Et nous avons convenu qu'aujourd'hui, pour une première fois, c'est une fille togolaise, elle va vous, béninoise, elle va vous répondre à cœur ouvert. Voilà, si vous avez aussi envie de dire quelque chose, je peux vous prendre en live. Mais ce que vous faites, ce n'est pas bon. Il n'y a pas de différence entre vos butathiums là et ceux des autres. Jamais, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Même en Allemagne, on en vend. Dans les shops ici, ici à côté de chez moi, là, j'ai vu un magasin, du là, on vendait ça. J'ai même, un qui m'a même dit caché, dit que bon, attends, je vais acheter pourquoi. C'est partout les butathiums. C'est pas vous qui avez créé les butathiums. C'est pas vous. Vous n'êtes pas laborantin. Vous n'êtes pas chimiste. Vous n'êtes pas tout ça. Mais pourquoi vous estimez que pour les autres, sont faux, pour vous est vrai, madame? Pourquoi vous faites ça? Parce que vous voulez avoir la visibilité. Regardez, je vous ai vu l'autre jour à l'ouverture de la vente privée de vos produits. J'ai eu pitié de vous. En vrai, j'ai eu pitié de vous. J'ai eu de la peine pour vous. Une femme qui dit qu'elle aussi, j'ai vu une salle vide. J'ai vu les produits pleins sur la table. Tout ça pour le matu vu. Vous faites ça pour qui? Vous êtes en train de vous nuire. Vous êtes en train de vous détruire. Financièrement, vous perdez. Pour le matu vu, on ne fait pas le matu vu sur Facebook. Prenez l'exemple de Karimo. Elle a commencé tout doucement. Prenez l'exemple de Karimo.
Ne cherchez pas à traverser, à sauter les échelons. Allez doucement, doucement, mollo, mollo. N'entrez pas dans les clashs. Les gens avec qui vous êtes, ils vous attirent dans les clashs. Ils vous attirent, vous, ce n'est même pas elle qui vous attire dans les clashs, c'est faux. Vous leur avez pris pour les utiliser pour le clash, pour mieux vous faire connaître. Et parce que demain, on vous appelle, vous allez retourner votre veste. Faites votre truc sans vous en prendre à qui que ce soit. Faites votre truc sans croire que ça choque X ou Y. Pendant ce temps, vous perdez de l'argent. J'ai vu l'endroit, j'ai vu les bouteilles pleines sur les tables. J'ai dit, pff. Et avec, là-bas, on ne parlait que le bassa. Je me suis dit qu'il n'y a que les femmes du coq qui sont arrivées là-bas ou quoi. Et tu ne vas pas voir une soirée où on parle que bassa, 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 bassa. Il n'y a pas d'autres personnes dans la communauté, les followers qui vous suivent. C'était triste pour vous. C'était triste que, mais pourquoi elle fait ça? Pour le m'as-tu vu? On vous entraîne, vous allez pour prouver quoi au couple méchant, ou pour prouver quoi qui. Méchant, c'est un homme qui a fait sa vie. Il a vécu. Ah oui, il a un nom avant Facebook. Oui. Donc, n'entrez pas dans ça. Donc, je vais prendre la dame. La dame. Ma soeur, tu es là, tu es dans le direct. Elle va entrer dans le direct parce qu'elle veut qu'elle passe en direct. Je ne vais pas me comporter comme vous. Et à insulter, mais je dis que la plainte que vous avez portée à Nadège Mbappa, c'est une plainte qui n'ira nulle part. Parce que nous allons accompagner Nadège Mbappa. Nous allons sortir tout ce que vous faites comme dégâts sur la toile. Toutes vos vidéos sont enregistrées. Toutes vos vidéos sont enregistrées. Et nous allons, peut-être ça va se retourner contre vous. Parce que Nadège Mbappa, c'est une grand-mère qui s'occupe de sa petite fille. Vous allez payer son déplacement. Tout ce que vous avez fait là, même les avocats qui m'ont parlé, vous allez payer ça. Ne croyez pas que vous avez porté plein de citations, vous venez bluffer les petites nyama-nyama qui vous suivent là. Les filles qui sont en bain depuis, mais qui sont restées villageoises dans la tête. Tu crois que quand tu vas me dire que citation, ça va me faire quoi? Moi, j'appelle ton nom, on va me porter plainte. J'appelle ton nom, c'est parce que ma paye, c'est pas de ne pas appeler ton nom. Sinon, je dois appeler ton nom parce que tu ne veux pas donner la visibilité. Si elle fait comme j'ai fait le direct sur toi comme ça, tu vas perdre au moins 50 clients. Il faut se dire, les gens qu'il faut éviter sur la toile. Et je n'appuie même pas trop supplé. J'évite d'appuyer trop sur play parce que tu es une soeur. Parce que tu es une soeur. Je n'ai pas envie d'aller trop loin. Si j'appuie sur play, ma, tu vas voir dans les prochaines, tu ne vas même pas 10 commandes. Comme tu dis que tu vends des machins, des pharmacies. Dans beaucoup de pharmacies, les glutathiums, là, comme ça, bon, maillé. Allez blaser les gens du Cameroun, mon frère, ça ne nous blase pas. Même au Cameroun, il y a des glutathiums au marché, ça va verser sur coton. C'est la même chose. Tu dis que ça vient de Thaïlande. Tu sais pas qu'il y a les produits thaïlandais qu'on utilise dans les pharmacies en France. Tu sais pas que même en Chine, on utilise les trucs chinois en France. Qu'est-ce que tu appelles que Thaïlande? Au Made in France. Made in France, c'est quoi? Il y a les produits thaïlandais qui sont plus efficaces que les produits français. Toi, je sais pas. Hein? Voilà, mais quoi, tu dis que je dois appuyer sur play. Mais comme moi, je suis une animatrice TV web, j'ai pas envie d'entrer trop dans entrer dans ce jeu-là, commencer à... Ça, franchement, je ne peux pas vous clasher, je ne peux pas vous parler. Je ne peux pas vous parler comme une sœur, parce que je n'ai pas dit grande sœur. Tout le monde m'avait attribué le mot de grande mère sur Facebook. Franchement, je porte ça avec beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de fierté. Donc, je vais appeler la sœur. La vérité sera que je vais tous. Mais je tiens à rappeler sur follower que le couple méchant n'a jamais employé cette femme à clasher. Elle clashait déjà. Elle est dans le clash depuis. Elle a clashé avec les Lady Sonia. Elle a clashé avec les belles bijoux. Elle a clashé avec avant d'être dans le milieu camerounais. Donc, elle a utilisé ce couple-là comme elle utilise notre soeur blogueuse. Et c'est la même chose qui va se passer plus tard. Ça ne va pas durer. Le mal finit par le mal. Quel qu'en soit le temps que ça va prendre, ça finira par le mal. Nous allons vivre ce spectacle dans les réseaux sociaux. Et ça ne tardera pas à venir. Nous sommes dans Facebook. One day na one day. Oui. Parce que tu ne peux pas me dire que tu viens de trouver des personnes qui sont ensemble depuis tant d'années et on entend des choses aussi cruelles se dire et tu es là au milieu. Donc, on va appeler la jeune fille. Donc, madame, vous avez menti sur moi. Et je vais prouver au monde. Voilà Marie Laro. Marie Laro, bonsoir. Je vais prouver au monde entier du lac que vous êtes une femme machiavélique. Vous êtes une menteuse. Tu es qui, toi? Tu es qui? Qui t'a mandaté en France? Tu ne travailles pas en France. Tu n'as pas la vie de luxe que tu dis là. Je connais les filles qui ont la vie de luxe dans les réseaux sociaux, comme Justine Bayan. Comme les paroles Bowen.
comme les FM Bombis, mais le malin, c'est femme qu'on a vu de lui, les bonbons similes, les mêmes quoi. Tu n'as pas une vie de luxe, mais tu es venu blaser les petites villageoises. Maman, même l'accoutrement que tu mets, ça ne me blase pas. Devant Dieu, devant les hommes. Je ne dis pas waouh quand je vous regarde. Je ne dis pas waouh parce que vous parlez bien, bien sûr, le français. Maman, il y a les malins, les voudous qui nous déchirent le français tous les soirs. Il y a les Modestine, qui nous déchire le français depuis très longtemps. Pourquoi que le français nous blase encore? Nous, on parle, on aboie, ils nous écoutent. Parlez votre français. Tu vois pas comment mes mères sont jalouses de nous. J'ai vu certains qui ont appelé à le direct de Malène hier. Oh, nous sommes fatigués, les blogueuses là. Elles viennent parler des affaires de sang caleçon. Et nous sommes fatigués, elles viennent. Avec le français, je leur ai dit que ma chérie, nous parlions le français, je leur ai dit que vous êtes derrière nous depuis combien d'années. Nous vous avons sauvés dans les maisons. Bande d'ingrates. Bande de méchantes filles, vous les filles de Mbengsi, vous êtes ingrates, toujours à vouloir humilier, à rabaisser vos soeurs. Vous partez maintenant, comment on parle le français du blanc là-bas? Vous venez, vous partez, rappelez, vive vraiment Malène. C'est toi, hein, tu parles le vrai français. Nous sommes passés d'écouter le sale français des filles là. Elles nous dérangent sur la toile, elles nous fastiguent, elles veulent nous distraire, elles machin, machin. Ils disent là, elles nous passent mal à l'affaire des mécanes. Maman, on doit aussi vous parler l'affaire du sexe, mes filles. Si vous ne parlez pas du sexe, qu'est-ce qui accompagne un couple dans la maison? Donc tu crois que ton mari va t'épouser? Tu vas venir dans la maison, tu vas dormir sans faire bien l'amour avec ton mari, il va rester avec toi. Il ira encore binda dehors. Si mon homme est parti dehors, c'est parce que je n'étais plus en capacité de lui donner mon corps. Sexuellement, ça ne passait plus. Et je comprends. C'est que vous voyez, je ne fais pas trop le bruit. Et je comprends. Parce que quand il n'y a plus l'amour entre deux personnes, même le sexe, même ça ne donne pas. Vous voulez comprendre quoi? Donc, on doit vous parler du sexe. Vous voulez dire que vous êtes trop intelligent, plus que Macron, le président français, qui a demandé qu'on doit commencer à parler du sexe à l'enfant. Voilà pourquoi vos jeunes soeurs sont, vos enfants sont perdus dans la nature, il faut qu'elles atteignent la maturité. Parce que c'est vous ne parlez pas de sexe avant vos enfants. Vous n'éduquez pas vos jeunes filles à la maison, quand elles commencent à la puberté, vous ne leur parlez pas du sexe. Vous êtes coincés avec vos enfants. Voilà pourquoi les enfants, quand ils grandissent, elles sont perdues. Elle n'arrive pas à gérer un couple, elle n'arrive pas à gérer leur copain. Il faut parler du sexe à vos enfants. Après, vos enfants, quand on a fait l'amour avec son copain, on doit se nettoyer. On vous parle du sexe parce que c'est que c'est ça que les hommes aussi aiment. Ouais, je parle seulement des histoires de sexe. Mais vous venez pleurer que juste ça que les hommes vous ont quitté. Pourquoi? Vous venez pleurer, c'est mon âme m'a quitté. Ouais. Si on ne vous parle pas que binaire vos gardiens, si on ne vous parle pas que soyez présentable devant vos hommes, on vous apporte aussi un plus, même si c'est le sexe. Vous commencez à nous humilier, commencez à nous rabaisser. Nous ne sommes pas là à l'école, mais pendant des années, quand ces intellectuels n'étaient pas là sur la toile, nous étions là avec vous. Nous avons accompagné dans vos maisons. Nous avons accompagné pendant vos maisons de dépression, pendant vos périodes de dépression. Nous avons accompagné pendant vos périodes de deuil, pendant vos périodes d'hospitalisation. Nous avons été là pour vous. Nous avons soutenu, même dans notre Congo, ça, même dans nos clashs, vous étiez là. Aujourd'hui, quand vous trouvez maintenant qu'il la nouvelle génération des clashs, des intellectuels, vous venez nous rabaisser, vous ne pouvez pas. Nous allons toujours être avec nos followers. Ils seront toujours là avec nous. Parce qu'ils savent que nous allons apporter beaucoup. Parce que nous savons ce que nous vivons en diaspora. Nous vivons très mal en diaspora. Parfois tu es seul à la maison, tu manques avec qui parler. Grâce à Facebook, nous nous sommes fait des amis. Grâce à Facebook, nous nous sommes fait des sœurs. Nous avons fait des connaissances. Et c'est qui a organisé tout ça? C'est nous. Dans nos lives, il y a ceux qui se parlent entre eux là. Oh, Lolo vous dépasse, c'est comment quota? Elle a pu faire des amis dans la vraie vie. Elle vient dans ici, dans les réseaux sociaux. Elle se fait des amis même en faux profil. Les amis dans la vraie vie sont des poisons parfois à nos jours. Donc pour éviter ça, tu fais des amis dans les. Ils se retrouvent dans une même team. Ils deviennent des quotas, ils deviennent des amis. Vous venez là, vous nous rabaissez. Mauvaise femme. Je vais vous voir sur ma page. Je vais vous voir là-bas, écrire vos noms sur le papier. Quand vous venez ici, je vous bloque. Vous n'avez plus vu notre Congo ça? Merde. Donc, je vais appeler la dame en question. Parce qu'on ne va pas trop durer. Ma chère soeur, je sais que tes lieutenants vont sortir demain. Ils vont commencer à dire, Lolo pipi, oh les carteuses, tu prends une égérie qui représente une marque que les femmes utilisent, un produit. Cette égérie-là prend la nudité d'une femme. Elle met devant la caméra, tu ne dis rien. Tu devais stopper ça, madame. Tu devais stopper ça. Arrête-moi ces bêtises-là. Tu ne peux pas représenter mes produits. Il me produit. Tu montres la nudité d'une femme. Tu ta caméra. Arrête-moi ces conneries-là. Tu crois que ça va faire plaisir à qui? Ça détruit ton commerce.
Je sais qu'elles vont sortir demain. Oh, elle est jalouse parce que jalouse de quoi? Tu n'as rien. On va prendre notre soeur. Je vais dire qu'elle entre dans le direct. Allô, ma sistou? Tu es dans le direct? Tu ne l'as pas accepté. Ouh, je ne l'ai pas vu. Ton nom, c'est quoi? Tu vas voir Nasira Tidjani. Quoi? Tu vas Nasira. Il y a une fille, petite fille sur le fil la photo. Parle un peu, vas-y doucement. Non, Sira, quoi? Tidjani, il y a une petite fille sur la photo. Je ne vois personne là. J'ai demandé. Ok, je refais encore. Comment faire même? Relance encore la demande. Je Ok. Restons en ligne parce qu'après. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon là maintenant. Non, c'est Flo Julie. Ça, c'est Flo Julie, hein. C'est toi, Flo Ah non, Julie. non, c'est Nasira. Non, non, Nasira Tidjani. Non, 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 c'est pas arrivé. non. Ok, attends, je vais voir Fais encore. un peu un commentaire. C'est Tata Lolo qui vient. N'est pas pendant une autre page. C'est Tata Je Lolo sais, qui vient. je suis en direct avec toi. Vas voir une petite fille là en j'ai commenté. Bonsoir, tata. C'est où? Le commentaire. Non, je n'ai pas chez Tata Lolo TV, je ne te vois pas. Voilà, c'est bon là. Vous me voyez une petite fille? Ouais, je t'ai vu. T'ai envoyé une demande. Accepte alors. Pas accepté. J'ai Voilà. accepté. C'est bon. Alors, bonsoir ma soeur. Oui, bonsoir, Tata. Je vais enlever ça. Quoi? Sois la bienvenue sur Tata Lolo Comment vous TV. allez? Bonsoir, Tata. Bonsoir, tout le monde. Vais très bien. Je vais très bien. Toi, tu vas bien aussi? Oui, ça va très bien. Voilà. Si tu sais, quand on a commencé à travailler ensemble, je tiens à préciser aux gens que elle et moi, on ne s'est pas séparés parce que les produits ne se vendaient plus. J'étais une affaire de contrat. J'avais besoin de beaucoup d'argent. Et elle m'a dit, non, tata, le but, c'est moi, je viens de commencer mon commerce. C'est que tu me demandes là. Je veux plus ajouter ce que je te donnais des bras. On n'avait pas, c'était pas une affaire de pourcentage. Donc, on signait un contrat tous les mois, il devait me payer telle somme. Après, on voyait, j'ai dit que normal, ça entre les gens, hein. Il faut que tu ajoutes. Comme c'est une bonne béninoise, elle m'a dit, oh, tata, attends, que je veux le prix. Le commerce va encore bien durer. Là, je vais augmenter le prix. Après, j'ai dit, oh, j'arrête alors. Et on s'est séparés. On a toujours eu des bonnes relations. Et de temps en temps, elle m'appelle pour me dire bonjour. Bon, quelques rares fois. Donc, tu te rappelles quand on a commencé à travailler ensemble, la dame qui avait fait le crash sur tes produits, là, tu la connais, non? Oui. Hier, avant-hier, comme il y a un problème sur la toile, elle a porté plainte à une soeur que ma soeur là, a saboté ses produits. Et comme je me rappelais à chaque fois que je disais aux gens à chaque fois qu'elle avait aussi fait ça une fois sur les produits des gens que je représente, d'une dame que je représentais aux États-Unis. Bon, les gens n'ont pas cru. Donc hier, grâce à Lolo, vous dépassez un FP, un follower qui me dit, elle a sorti cette vidéo-là. J'ai joué cette vidéo-là dans mon direct. Après, j'étais eu au téléphone. On a parlé, on a décidé qu'on devait faire le. Non, après, on m'a dit qu'elle était en direct. Je suis allé dans son direct, j'ai trouvé où elle a dit comment. On t'avait porté plainte aux États-Unis, tu as fermé ton magasin, tu as fermé tout, tu ne vends plus les glutathiums, beaucoup de choses. Il y a des femmes qui ont, il y a une femme qu'on a enlevé son utérus à cause de tes produits. Il y a une femme qu'on a enlevé son estomac, elle avait eu un problème aux estomacs. Il y a une autre femme. Donc elle a raconté beaucoup de choses que c'est grâce à elle que tu as arrêté de vendre ça et la justice t'a poursuivi à cause de ça. Je t'ai appelé, je t'ai dit, mais dis-moi, est-ce que pendant que toi et moi, on travaillait ensemble, est-ce que tu as eu un problème avec la justice par rapport à tes glutathiums? Tu m'as dit non. Alors, après, on a discuté, on a dit que il était, voilà, important que tu viennes dire la vérité à toutes ces personnes qui nous suivent dans les réseaux sociaux et nous dire comment tu as produit cette fille. C'est là où tu m'as même expliqué que dans TikTok, elle fait ça avec plusieurs personnes. Donc, je vais te laisser la parole et essayer d'expliquer aux gens vraiment est-ce que ce qu'elle a raconté est vrai? D'accord. Donc, bonsoir tout le monde. Ici, c'est Nasira Tidjani, la directrice commerciale et la fondatrice de la marque Entier Collection.
Donc, un jour, une de mes clientes m'a envoyé une vidéo où je ne connais même pas la dame. Elle est en train de Comment parler sur mes produits et t'appelles tout. pas tu peux appeler Buda. Voilà, bon, il faut appeler son. Ok, donc elle était en train de parler sur mes produits. Donc, j'ai parlé avec Tata. Le Tata m'a dit non, de la laisser. Bon, peut-être elle veut la visibilité de la laisser. Donc, c'est comme ça que je l'ai laissée. Maintenant, je vais d'abord vous expliquer ce qu'elle fait, son jeu, c'est quoi. Vous savez, ici aux États-Unis, quand ils font une vitamine, il y a une vitamine ou bien, ou c'est peut-être le calcium, tout ce que vous voulez. Les Américains font ça sous différentes formes. Donc, je vous montre ce soir. Par exemple, quand vous prenez les glutathiums, les vitamines, ces collagènes, ça vient sous cinq différentes formes. Voilà, ça c'est le liquide. Le glutathium en liquide. Quand vous allez dans les magasins, vous allez voir cinq différentes formes. Parce que moi, je peux préférer le liquide, le sirop. Toi, tu préfères la poudre. L'autre préfère le soft gel. L'autre préfère les comprimés. Donc, ça, c'est le liquide. C'est la même chose. C'est la même marque. Ça, c'est les bonbons. Ça, c'est les gommes. Ça, c'est la poudre. C'est la même marque. Voilà. Ça, c'est le sirop. Ça, c'est la poudre. Ça, c'est les bonbons. Et ça, c'est les comprimés. Donc, l'Américain fait différentes sortes de glutathion, de vitamines et de collagène. Maintenant, elle va dire que ça sent poisson. Je vais vous expliquer ce soir parce qu'elle aussi, elle doit comprendre. Ici, on appelle ça le fish oil. Vous pouvez lire, c'est le fish oil. Le fish, c'est poisson. Ça, c'est huile de poisson. Qu'est-ce que ça fait? Ici, ils ont dit que ça aide avec le cœur. Vous allez lire ça. Ça, c'est pas mon produit, c'est un produit américain. Ça aide avec le cœur. Donc, c'est ça qu'on appelle soft gel. C'est ça qui est gros comme ça. Vous allez voir les glutathiums qui sont gros comme ça. C'est le soft gel, c'est l'huile qui est dedans. Donc, elle pense ça, elle dit que ça sent poisson. Donc, je vais vous expliquer ce soir. Ça, c'est huile, ça, c'est huile de poisson. Comprends? Voilà. Donc, quand les soft gel, là, tout ce qui est glutathium qui est soft gel, il y a le oméga 3 dedans. Sur ça, là, sur 3, vous allez lire, il faut lire. Oméga 3, vous pouvez lire. Oméga 3. C'est riche en oméga 3. L'oméga 3, là, c'est ça qui est le antioxydant. On dit glutathium, on dit antioxydant. Maintenant, il y a différentes sortes de glutathium. Il y a la poudre, il y a le sirop, il y a les comprimés, il y a le soft gel. Le soft gel, là, c'est ça qui est comme huile. Et ça va sentir comme poisson. Et je vais vous donner un secret ce soir. Il y a un poisson qu'on appelle le poisson saumon. Saumon. Allez googler ça. Les bienfaits du poisson saumon. Vous allez voir. Ça, c'est un anti-âge, anti-dépression, anti-inflammatoire, anti-oxydant. Ce poisson-là, le poisson saumon. Vous allez voir le saumon fumé. Les blancs utilisent ça beaucoup pour le petit déjeuner. Même quand vous allez voir sur Google, là, on va vous dire de manger le poisson saumon-là. Saumon. Il faut googler ça pour voir ses bienfaits. Donc, il y a, c'est un anti-oxydant. Ça réduit les risques de maladie cardiaque. Donc, vous prenez les médicaments. Si toi, tu as les maladies du cœur, c'est mieux de prendre la glutathion en soft gel. Ça va sentir le poisson parce que d'abord, ça, c'est pas fish oil. Ça, c'est fish oil. C'est ça qui est riche en antioxydants, qui est riche en oméga F3. Elle-même, ne comprend pas. Parce que le soft gel sent comme poisson. Donc, on pense que c'est pas bon, c'est poisson pourri. Non. Le poisson même là, ce saumon-là, ça contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienfaits. Ça travaille sur le cerveau, la vision, ça durcit les os, ça donne de l'énergie. Ça travaille sur le poumon, ça contient de la vitamine B. C'est riche en acides gras, qui est oméga 3 antioxydants. Elle-même ne connaît pas, elle n'a qu'à lire. Donc, vous avez le choix dans beaucoup, il y a différentes sortes de glutathion, et vous avez le choix. Et si quelqu'un a la maladie du cœur, ou bien vous avez tendance au risque de maladie cardiaque, là, c'est mieux de prendre votre glutathion en soft gel, parce que c'est riche en oméga 3. C'est riche en oméga 3. Ça, c'est une vitamine qui est huile de poisson, fish oil. Et ça joue sur le cœur. Ça travaille sur le cœur. Vous pouvez lire. Ça travaille sur le cœur. Donc, moi, je pense que sa stratégie pour vendre, peut-être c'est pour dénigrer les autres. Maintenant, je vais vous montrer. Quand vous prenez le fish oil, qui est le soft gel, par exemple, il faut. Parce que c'est l'huile, quand on dit soft gel, là, c'est l'huile qui est dedans. Je vais couper. Si je coupe là, je coupe sur un papier. Voilà, je coupe sur un papier. C'est l'huile. Ça, c'est pas ma marque, c'est une marque américaine. C'est le poisson, c'est l'huile de poisson. C'est très bien pour la santé. Vous voyez, c'est l'huile qui est dedans. C'est très bien pour la. Donc, ce qu'elle fait, elle va prendre de l'eau.
OK? Maintenant, quand tu prends de l'eau, je vais mettre un peu d'eau. Maintenant, tu prends le soft gel. Elle prend le soft gel des gens. Quand tu prends le soft gel, il faut couper. Voilà. Quand je mets le soft gel dans l'eau, vous voyez, ça va rester en haut parce que c'est hull et eau. Maintenant, elle prend pour les gens de regarder, hein, regardez, c'est hull qui est dedans, c'est hull, madame. Il faut demander à votre docteur, il faut aller sur Google pour lire les glutathiones, les soft gels là. Il y a quoi dedans? Quand vous voyez oméga 3 là, il faut penser que c'est hull de poisson. Ça, c'est hull de poisson qui est ici, qui est même comme ça, vitamine. Et ça travaille sur le cœur. Donc, elle va prendre l'eau. Elle met la vitamine, le soft gel des autres. Ah, regardez, regardez, c'est hull qui est dedans. C'est hull, madame. C'est hull, c'est le oméga 3 qui est hull. Donc, les Américains, pour servir tout le monde, ils vont faire le soft gel qui est hull. Ils vont faire le sirop. Ils vont faire la poudre. Ils vont faire les gommes. Ils vont faire les comprimés. Donc, elle n'a qu'à comprendre que ce n'est pas parce qu'elle vend sirop que tout le monde doit prendre sirop. Si toi, les problèmes de cœur, c'est mieux que tu prennes les soft gels. Il faut lire. Ce n'est pas parce que les vendeuses viennent pour vous parler, vous aussi, vous ne faites pas les recherches. Il faut lire, il faut googler là. Vous tapez dans Google le poisson saumon là, ça fait quoi sur la santé même là? Vous allez tout voir. Et vous allez même voir que c'est très bon de manger le poisson saumon 2 fois par semaine. Parce que tout ce que vous voulez dans les glutathiones là, il y a ça dans le poisson saumon. Allez regarder sur Google. Il y a tout, parce qu'elle ne connaît pas, donc elle vend les sirops. Donc elle se dit, bon voilà, tu prends l'huile. C'est l'huile de poisson qui est dedans. Tout ce qu'il y a dans ce poisson-là, il y a ça dans les glutathiones. Il y a ça dans les glutathiones. Ça joue sur le cerveau, ça joue sur la vision. Ça prévient les maladies cardiaques. Et c'est ça qu'ils ont écrit ici. Vous pouvez lire. Support healthy heart. Ça supporte le cœur. C'est huile de poisson, fish oil, c'est une vitamine. Donc, quand tu dis que c'est huile qui est dedans, quand tu dis que ça sent le poisson, c'est ça même qui est la santé. C'est ça même qui est la santé. Donc, moi, je pense que c'est sa stratégie de vente. Et puis, elle ne comprend pas. Donc, les glutathiones, les Américains donnent le choix à chacun. C'est pour ça aujourd'hui, vous allez voir sur le marché, il y a les glutathiones, c'est ça, en sirop. Aujourd'hui, il y en a. En poudre. Tu choisis. En bonbon, toi qui choisis. En comprimé. Et puis en soft gel. Le soft gel, là, il y a le oméga 3 dedans. L'oméga 3, là, c'est huile de poisson. Ça, là, c'est très riche en oméga 3. Et très riche en oméga 3, ça veut dire que c'est très riche. C'est un antioxydant. Les glutathiones, c'est antioxydant qu'on cherche dedans. Il faut vous manger ce poisson-là, c'est très bon pour vous. Pour votre. Allez lire. Il faut taper saumon, poisson saumon là. Saumon. Vous allez lire les bienfaits du poisson saumon. Donc, D'accord. quand je dis que ça sent hull, Maintenant, quand je dis que ça sent hull là, c'est normal parce que c'est le oméga 3. Ça, c'est le fish hull même. Même le fish là, l'Américain fait son vitamine direct. Si toi, tu as les maladies du cœur, tu sens que tu vas avoir crise cardiaque, tout ça, c'est ce genre de vitamine qui est bon pour toi. Parce que il y a, c'est hull directement, hull de poisson, fish oil, c'est ça. Et puis ici, ils ont écrit, il faut lire, c'est le cœur qui est là. D'accord. Bon, ma chérie, maintenant on va avancer. Maintenant, Maintenant, tu as des... elle dit qu'on m'a convoqué. Ce que moi, je veux là, peut-être ça va aussi m'aider de ne plus travailler. Non. La personne qui m'a convoqué là, elle n'a qu'à me montrer où est-ce qu'elle m'a convoqué. Elle est où? Parce que ça va me permettre aussi de la sous, non? Ça me permet de la convoquer aussi parce que c'est un mensonge. J'ai reçu la convocation quand? On est allé dans quel tribunal? Dans quel état? Où? Elle n'a qu'à dire, c'est pas affaire de Facebook. Hein. Elle n'a qu'à montrer papier, mon nom là. Elle m'a envoyé convocation où? On est allé dans quel tribunal? On a fait comment? Oui, parce Que vous qu'elle dit voyez? qu'il y a une femme béninoise qui s'est plainte de toi, qu'on a Après arrêté. ça, quelqu'un m'a envoyé sa vidéo sur TikTok et j'ai vu qu'elle faisait la même chose. Allez sur sa page TikTok. Je ne suis pas la seule. Près de 10 ou 20 personnes, là, je dis, ah, ça, c'est quelle stratégie de vente? Non, ce n'est pas possible. Parce que, bon, je ne comprends pas. Vous allez chercher l'argent, là, on va mourir pour laisser. Pourquoi gâter pour les autres? Le ciel est tellement grand, les oiseaux volent. Tout le monde peut voler. Les oiseaux volent, chacun peut voler. Maintenant, pourquoi moi, je viens, je parle des autres. Même quand tu gardes produit des autres, là, ce n'est pas pour ça que tu vas tout vendre. Chacun va vendre. Mais il faut que ses abonnés lui disent, la prochaine fois qu'elle va dire que ça sent poisson, là, elle n'a qu'à lui dire, tata, c'est ça qui est bien même. Parce que poisson, saumon, poisson, là, ça contient oméga 3. Et c'est le oméga 3 qu'on voit dans les glutathiones, là. C'est un antioxydant.
C'est ça qui est normal. Même les Américains, là, ils ont un vitamine qui est fish oil, huile de poisson directement. Donc, cette huile de poisson-là, on peut mettre ça dans le glutathion. Ça va sentir le poisson parce que c'est ça qui est bien. Elle dit que tu achètes tes produits, qu'elle commande ses produits dans les laboratoires américains. Toi, tu Tata, commandes dans les laboratoires moi j'ai chinois. travaillé, moi j'ai en 2019, j'ai travaillé dans une pharmacie ici. Ici, nos pharmacies, quand tu rentres dans une pharmacie aux États-Unis, on a une femme, on a une, ça dit, il y a la pharmacie dans la pharmacie, là où on a les médicaments prescrits, là, c'est derrière. Maintenant, quand tu rentres dans la pharmacie, c'est là que tu vois les choses, qu'on le, ça dit, tu n'as pas besoin de prescription. Moi, j'ai travaillé là-bas. Je connais 90%, je connais 90% de leurs suppliers, les gens qui leur vendent leurs vitamines, là. Moi, je connais 90% de ça. Tous ces vitamines-là, ça, c'est pas ma marque, mais je connais tous ces suppliers. J'ai travaillé là-bas en 2019. Je connais tous ces suppliers. Donc, comment on va faire venir les mauvais produits? Allez sur sa page TikTok là, je ne suis pas la seule. Hein. C'est le jour là, j'ai vu, dit, mais ça c'est quoi ça? Beaucoup de personnes, elles prennent, dans sa stratégie de vente, elle va prendre l'eau. Ah, regardez, c'est l'huile qui est dedans. C'est normal, c'est huile. C'est ça qui est ici, fish oil. Riche en anti, c'est ça, riche en oméga 3. Oméga 3, là, c'est ça, riche en oméga 3, vous voyez? C'est un antioxydant. C'est un anti-âge. Ça lutte contre la mémoire. C'est bon. Je demande comment toi tu as eu à vendre, tu vends les glutathions là. Est-ce que tu es chimiste? Est-ce que les laboratoires avec qui tu collabores, ils te disent ce qu'ils mettent dedans? Je ne sais pas, parce qu'elle dit qu'elle contrôle les faux produits Mais dans Facebook. elle a un diplôme. Peut-être elle a un diplôme. Moi, je ne sais Le pas. Elle a diplôme. un diplôme pour faire. Si elle est aux États-Unis, là, moi, je serais contente. Je serais vraiment contente, mais bon, ce qu'elle fait, Europe et États-Unis, on n'a pas les mêmes lois. Tu ne peux pas faire la diffamation sur les gens. Vous voyez, non. Donc, c'est un truc que, quand elle avait fait, quand je vous ai parlé, j'avais parlé avec mon avocat, mais il m'a dit que bon, c'est de laisser, c'est un truc de marketing et tout. Donc, moi, je l'ai laissé. Et c'est après, quelqu'un m'a encore montré, j'ai vu son TikTok, elle a beaucoup de personnes, elle fait ça, elle prend l'eau, elle va prendre, c'est un soft gel. C'est huile qui est dedans, huile de poisson là, c'est ça américain a mis ici. Fish oil, c'est huile de poisson qui est dedans. Quand tu coupes là, c'est ça j'ai mis ici. C'est huile qui est dedans. Vous voyez non, c'est huile. Et dans ce poisson là même là, le saumon là, il faut aller googler ça, les bienfaits du saumon. Si vous voulez glutathion là, commencez aussi par manger le poisson saumon. Allez voir, on va vous dire que c'est un anti-âge, ça aide la mémoire, c'est un anti-dépressif, c'est un anti-inflammatoire. Petite répète beaucoup. Elle se répète beaucoup parce qu'elle veut bien préciser les choses. On va passer à autre chose. Maintenant, elle dit que tu commandes les trucs en Thaïlande, elle les commande aux États-Unis. Moi, je bon, comme tu as dit que c'est elle n'est pas elle a, si elle a un certificat, est-ce que tu avais tes trucs étaient authentifiés? Est-ce que tu avais un certificat d'authentification donc qui te D'abord, permettait de vendre? tu vas ouvrir un magasin ici. Tu ouvres une boutique ici, tu n'as pas la licence, tu n'as pas le droit de vendre un vitamine aux Américains. Comment c'est possible? L'Amérique n'est pas comme, je ne sais pas, tu vas ouvrir vitamine que les gens mettent dans la bouche là. Tout ce que moi mets dans la bouche ici aux États-Unis, tu dois être certifié. Tu dois être certifié. Donc, et puis la loi ici, là, ce n'est pas comme au pays. Je connais quelqu'un, j'ai mon oncle qui est là-bas, j'ai ma tante qui est là-bas. Non, la loi, c'est la loi ici. Si elle était aux États-Unis, là, moi, j'allais considérer ces choses, ce serait bien. Mais elle n'est pas aux États-Unis, elle est en France là-bas. Et c'est sa manière de faire. Moi, je n'ai jamais reçu de convocation. Moi, je veux la personne là. La personne n'a qu'à sortir. Ce n'est pas nom de Facebook, hein. Nom normal. Elle n'a qu'à montrer la lettre où ils m'ont convoqué, comment on a fait là-bas. Elle n'a qu'à faire sortir ça. Maintenant, moi, je vais les convoquer maintenant. Dis-moi, est-ce que tu as dit, elle a dit qu'il y a une dame, une maman, qui t'a acheté des produits de 2000 euros en France? Tout ça là, c'est faux. La première fois, je ne la connais pas. La première fois, on m'a montré ça, cette vidéo-là, j'ai regardé. Je vous avais parlé, vous m'avez dit non, il faut l'oublier. J'ai parlé avec mon avocat aussi, lui aussi m'a dit non. Et que, dans ce mécanisme de laisser. Si elle était aux États-Unis, là, ce serait bien. Elle ne peut même pas faire ça. Elle ne peut pas être aux États-Unis et faire ça. Jamais de la vie. Tu es aux États-Unis, tu prends un produit des gens, tu viens gâter comme ça, là. Ils vont te convoquer, vous allez parler là-bas, non. Bon, je ne sais pas comment l'Europe est, et puis bon, tout est comme ça. Moi, je vais juste dire à cette dame que j'ai un frère qui vit à Thaïlande. Il m'a appelé hier. Il m'a dit, Lolo,
les vraies gustations viennent de la Thaïlande. Que demande à tout le monde. Que même elle-même, elle commande là-bas. Tu sais qu'il y a une gustation dans AliExpress, non? Les 10 euros, les 20 euros. Mais pourquoi elle ne va pas porter plainte aux gens qui vendent dans AliExpress? Les vitamines, les vit moi je travaille à la pharmacie. Toutes les vitamines qu'ils ont à la pharmacie ici, là, moi je connais leur supplier. Pourquoi je vais aller acheter quelque chose? Ce que les pharmacies vendent là, moi là, je connais leur supplier. Je connais leur supplier. Pourquoi je vais aller acheter le fake? Et je ne suis pas non, la seule personne. Je suis allée sur ta page, vous allez voir. C'est quoi le nom? Tu peux m'écrire le nom de son TikTok là en message. Je vais regarder. De... Le nom de si vous m'envoyez ça par WhatsApp, reste dans l'appel. Je veux le nom de son TikTok. Mon TikTok, la femme, moi je ne me souviens pas. Quelqu'un m'a envoyé le lien un jour. C'est ça, je suis. C'est ça, j'ai vu. Je ne connais pas. Quelqu'un m'a envoyé le lien un jour. C'est ça, j'ai vu. Il y a, elle attaque tout le monde. Mais elle a attaqué. Il y a des noms que je ne veux même pas appeler. Qui sont, je connais au moins deux ou trois grandes compagnies ici. Elle les a attaquées aussi. C'est dans sa page de TikTok. Allez regarder, vous allez voir. J'ai vu ça le jour. Elle a dit, mais pourquoi? C'est sur sa page. Je ne veux pas appeler les noms, mais j'ai des gens qui vendent des glutathions ici. Elles sont dans sa page. Elle a mis le produit là-bas. Vous dites que c'est pas bon. Parce que quand tu vas prendre le soft gel, là, c'est l'huile qui est dedans. Le oméga 3, là, c'est l'huile de poisson. C'est un antioxydant. Il faut comprendre ça d'abord. Avant de dire que pour toi, là, c'est la poudre. Pour toi, là, c'est l'eau. Non, c'est pas comme ça. Il faut lire, il faut comprendre aussi. Si ouais, elle était aux États-Unis ici, elle ne peut pas faire ça. Voilà, c'est bon, attends, j'ai retrouvé moi-même. Donc, oui, quand vous avez un problème gynécologique, il faut mettre une glutathion de crème. C'est vous-même qui vendez les glutathions, c'est vous-même qui vendez les crèmes de toilette, c'est vous-même qui vendez, vous vendez tout. Et comment tu peux dire que pour l'autre, il n'est pas bon pour toi et pour moi, je ne comprends pas. Content, montre-moi un peu le lien que tu regardais hier là, où elle est en train de saboter le produit de quelqu'un là. Content, tu as le direct, non? Je n'ai pas envie d'appeler le nom. Content. Nous avons regardé plusieurs directs où elle s'en prenait beaucoup aussi là sur TikTok. Hein. C'est terrible, madame. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas gentil de votre part. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil du tout. Pas du tout. Vous-même, il faut nous apporter le certificat qui vous prouve que vous êtes une chimiste ou vous travaillez dans le laboratoire. Pourquoi vous venez salir le commerce d'une femme qui ne vous a rien fait? Regarde comme elle est là, elle est tranquille, elle est douce. Et puis voilà. Il faut arrêter d'être dans le mal. Hein? Et puis quand on va faire le dire, elles ouais, sont jalouses de moi, j'arrive de temps que tu me sais à quoi. Même la langue que tu... Le lien que tu as envoyé là-dessous, même pas. Bref, on va laisser tomber, c'est pas grave. On va quand même télécharger, on va mettre ça sur nos pages. Moi, j'attends la convocation. Moi, c'est la convocation que moi j'attends. Parce que j'aime pas les faux trucs. J'ai vu ma, il y a la convocation que j'attends. Hein? Voilà. Donc, madame, comment on appelle la femme là? Madame. Oui, moi, ce que je vais dire, là, la personne qui m'a convoqué là, la personne n'a qu'à me montrer sa convocation, c'est où, c'est comment on a fait. Moi-même, je vais prendre ça là maintenant pour aller la convoquer. Parce que c'est une diffamation. Moi, je n'ai jamais reçu de convocation, on n'a jamais été au commissariat, blablabla, rien. Rien. Donc, le conseil que moi, je vais donner aux gens, il faut lire, il faut faire des recherches vous-même. Quand vous voyez un produit, la publicité, la bouche, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il vous faut vous-même? Quelles sont vos maladies? Aujourd'hui, là, tout est sur Google. Vous allez Google votre maladie, là. Quels sont les trucs que vous pouvez prendre? Selon les vendeuses vont vous donner. Un jour, une cliente m'a contacté, elle m'a montré un glutathion. 22 millions de milligrammes. Écoutez, plus toxique venu d'Asie, donc vendu dans notre communauté. Quand j'ai le temps comme là ce soir, je tire toujours la sonnette d'alarme pour vous dire que si vous rencontrez ce genre de saloperie,
Partez en courant. Ça mettez plaît. Ça à la poubelle. Le commerce parce que vous allez vous rendre malade. Elle montre le commerce. Elle montre les produits. Avec ce type de produit. Alors, ça existe comme ça en translucide, des choses translucides comme ceci. Mais ça peut aussi être jaune, ça peut être blanc, ça peut être orange. Ma soeur, tu travailles ou tu es chimiste pour estimer que les produits des autres sont faux pour toi et bien. Non, dis-moi, petit travail pour dire que les produits des autres sont faux et pour toi et bien. Dites-moi un peu, elle se base sur quoi? Vous me laissez d'écrire en commentaire. Vous vous basez sur quoi? Vous n'avez pas un magasin, vous vendez sur Internet. Vous n'avez pas un magasin. Vous faites, on appelle ça comment l'auto-entrepreneuriat là sur Facebook là. L'auto-entrepreneuriat. Vous ne payez même pas les impôts. Vous vous basez sur quoi pour dire que le prix des autres sont faux et pour vous est vrai. Dites-moi un peu sur quoi vous parlez. Le e-commerce, à la vente en ligne. Vous êtes dans le laboratoire, vous êtes laboratoire. Vous vous basez sur quoi pour salir le commerce des autres? Va attaquer Karim au grand éducation. Va attaquer Karimo, elle vend les glutathium. Va attaquer Karimo, je crois. Karimo vend les glutathium. Il faut arrêter. Ce qui m'a énervé, c'est que tu es venu mentir sur cette jeune fille ici. Nous, on te met au-dessus que d'ici la semaine prochaine, tu nous sors la fille qu'on a levé son. Voilà, la convocation là. Moi, je veux la convocation là. Ça va m'aider. Ça va m'aider de les convoquer aussi. Avec les preuves d'envoi de 2000 euros de glutathium qu'elle a cité, parce que si elle a les preuves, nous revenons sur cette affaire. Pour le moment, on va s'arrêter là. Si tu n'as pas ça, ferme-la jamais. Et tu n'auras pas les clients. Je vais mettre toutes les pages de l'éducation sur ma page. Je vais mettre tout, mais je vais le faire gratuit. Parce que même moi, je vais vendre mes habits. Celle que tu appelles ton égérie, elle est venue comme moi, j'achète des habits à AliExpress. Que j'achète des habits au Béviliers, alors qu'elle travaillait pour toi. Donc, à un moment donné, quand nous, on vous évite, évitez-nous. Quand on vous évite, restez dans votre coin. Madame, prenez votre style, votre place de boss lady. Prenez votre place d'entrepreneuse. Faites votre vie, laissez la vie des autres. Chacun libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas un contrôle de faux glutathion sur Internet. Parce que ce que vous vendez, il n'y a rien qui prouve que ce que vous vendez le bon. Parce que vous êtes né clair. Vous êtes né du moment à Bunos. Dans le teint que vous avez là, c'est un teint de naissance. Il n'y a rien que tu as utilisé pour ton teint soit comme ça. Donc il faut aller. Vous tous, toi-même, tu es dans la NAC. Parce que moi, je t'ai vu hier, en caméra, j'ai fait zoomer. Attends, j'étais un peu choqué. Parce que moi, j'ai vu la glutathion de ma fille. Je vous donne l'exemple, ça se fait sur mon bras. Ça là, j'avais une cicatrice qui avait gonflé ici là. C'est grâce à cette glutathion là que la cicatrice est partie. C'est grâce à cette glutathion. Mais regarde, une femme peut-être à certains projets pour, voilà, je vais partir dans les détails. Il y a des produits qu'il ne faut pas prendre. Ça, j'avais arrêté. Mais ça, et j'ai beaucoup de clients, j'ai eu des retours énormes. Les bons retours, les filles des États-Unis qui même qui utilisaient ces choses. Comment, qu'est-ce qui prouve que pour toi, les bons plaisirs que sont mauvais? Montre-nous le laboratoire où tu achètes ta pâte. Parce que moi, peut-être, tu es parti dans une pharmacie. On voyait les Israéliens, beaucoup d'Africains, ils avaient des pharmacies en France. Il y a même les Égyptiens qui ont des pharmacies. Allez, Israël, ça ne veut pas dire que c'est ta paix vraiment bien. Ce n'est pas tous les produits qu'on voit en pharmacie qui guérissent les gens. Hein. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être comme ça, madame. Vous êtes méchante. Ne me prononcez plus. Vous m'avez traité d'aboyeuse. Ça m'a tellement choqué qu'une femme qui ne me connaît pas. Et vous venez vous faire passer pour la Sainte Denis Touche, que c'est une femme qu'on a entraînée dans les caches, alors que vous êtes dans les caches. On m'a dit qu'elle a classé Bel Bijou. On m'a dit qu'elle a classé une sœur togolaise et béninoise aussi. On m'a dit qu'elle a classé. Elle a une classe là-bas, partout, partout. Elle a eu le milieu camerounaise. Comme nous, les blogueurs camerounais, on dit que nous sommes les mandiata, que nous avons faim. Elle a réussi à nous retourner la tête. Et voilà comment ça a divisé toute une toile. Madame, ne m'appelez, ne m'insultez pas. Moi, je n'ai pas envie de vous insulter. Parce que si je vous insulte, si j'appuie beaucoup sur plaie, c'est dangereux. Je n'ai pas peur de votre plaie. Vous n'allez rien me faire. Voilà. Donc, c'était un peu. Voilà pourquoi j'étais invité aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Là, il n'y a pas de problème. On a déjà posé depuis au mois de. C'était en novembre que nous avons parlé. Non? Donc, quand tu seras. Oui. Téléphone ouvert. Et vraiment, encore, je veux dire, pour ce que tu as eu. Désolé, ça arrive, il y a des gens comme ça, il y a des mauvaises personnes qui sont là pour détruire la vie des autres. Elle a dit que moi j'aboie, j'ai dit j'aboie, mais je ne mens pas. Mais toi tu n'aboies pas, mais tu détruis, tu prends. Voilà, pour toi c'est pas gênant de détruire le commerce de quelqu'un comme ça, du jour au lendemain, de nous faire des démonstrations sur les produits, alors que si tu vois que les produits sont faux, va porter plainte, va porter plainte. Dans Facebook, chacun a ses prix. On a même parlé qu'il y a les contrôles depuis à Facebook. Va porter plainte. Va la police, que voilà les faux produits qu'on va en lire. Mais je pense qu'il y a des spécialistes, il y a des gens qui travaillent dans tout ça dans les réseaux sociaux.
Facebook, c'est le marché mondial. Chacun se bat comme il veut. Donc, arrêtez de dire que vous êtes des milliers alors que tout le monde fait la même chose. On connaît où vous commandez vos choses là. Moi, j'avais acheté mes produits. Je vais acheter mes guitares sur AliExpress. Comment déjà commencer? Comme tu dis que ça vient de la Chine, comment déjà combattre tous les guitares qui sont AliExpress? Combat là tout ce qui va passer quand tu arrives dans AliExpress, les guitares sont versées là-bas comme ça. Comment déjà apprendre? Comment déjà? Parce que AliExpress, c'est un site reconnu. C'est un site officiel. On sait que ces gens comment là-bas. C'est un site qui vendait les mauvaises choses. C'est que l'État français n'est pas accepté que c'est un produit AliExpress entre en France. Mais ça vient tous les jours par les commissions ici, non? Donc, madame, comment déjà combattre les gens d'AliExpress avant de venir combattre tes soeurs africaines qui se battent comme toi? C'est pas normal. Oui, comme tu as dit que les produits de madame Messant étaient les produits AliExpress, comment tu sais? C'est parce que c'est là-bas que toi-même tu pars. Oui, c'est parce que c'est là-bas que tu pars. Parce que tu ne veux pas y aller quelque part, comment tu sais que c'est là-bas que les gens vont? Il faut arrêter, ma soeur. Franchement, quand on vous respecte, il faut rester dans cette lignée-là. Moi, j'avais. Franchement, je n'avais pas de. Je ne vous regarde pas. Parce que vous ne me blasez pas. J'ai des grandes soeurs encore qui sont plus chic qu'elles, mais les filles de mon père qui sont encore mille fois encore très, très chic même que vous. Parce que moi, franchement, quand je me. J'ai pas envie d'entrer dans ça, mais vous n'êtes pas celle qui passe si je me retourne. Moi, je me retourne quand les Denis ne portaient pas. Je cours même pour aller demander les autographes. Les Roger Mila, les Papa et tout, les gens comme ça. Merci, et moi, les gens qui viennent se dobuer comme moi sur Facebook-là. La dobuer à 10 heures dans les réseaux sociaux. Franchement, vous ne me bluffez pas. Restons dans le respect. Vous avez détruit le commerce de cette femme. Encore hier, vous avez répété la même routine, la même, ce que vous avez l'habitude de faire. Vous l'avez encore dénigré, vous avez encore menti sur elle, vous l'avez encore raconté des choses. Alors, elle vous parle en direct de son magasin aux États-Unis. Alors, vous n'avez pas de magasin, vous n'avez que votre téléphone et votre canapé. Et votre fauteuil, elle a un magasin, elle a 4 magasins aux États-Unis, elle a son téléphone, elle a ses TikTok, elle a ses Facebook, mais vous n'avez qu'un seul objet, une seule plateforme pour vendre vos choses, c'est les réseaux sociaux. Donc, hormis les réseaux sociaux, elle peut avoir un client qui est dans son salon de coiffure, qui commande un produit. Mais il ne faut pas vous comparer avec les gens, il ne faut pas saluer les gens. Battez-vous, c'est vos clients resteront vos clients. Il suffit que si vos clients ont confiance en vous, ils resteront avec vous. Si vous vendez la bonne qualité, c'est partie de vos clients. Que vous allez comprendre que votre produit, eh bien, ils vont amener d'autres personnes. Ça va aller de bouche en fait. C'est que vous faites la campagne de sabotage que vous faites sur les réseaux sociaux et que vous voulez vous accrocher sur le couple, mais sans soi disant que ce sont eux qui vous jalousent. Ils ne vous jalousent pas. C'est une stratégie que vous allez amener pour faire connaître dans les réseaux sociaux. C'est une stratégie que vous allez amener pour parler dans les réseaux sociaux en vous attaquant aux gens comme vous avez l'habitude de le faire, comme vous l'avez fait avec moi, comme vous l'avez fait avec le couple Messant, vous l'avez fait avec Belle Bijou, vous l'avez fait avec beaucoup d'autres filles sur TikTok. Ça ne marche pas. Je sais que quand je vais lancer un direct, vous allez lancer un direct, quoi, vous allez venir faire le plus beau. Je dis que moi-même, je m'engage, que je commence à mettre les trucs. J'ai un grand laboratoire en Allemagne, que même quand tu vas me donner le lien, je vais mettre ça sur ma page. Il n'y a pas la magie dedans. Arrêtez de. Si vous voulez qu'on commence à faire le saga, on va faire le saga, saga. Voilà. Donc, ma chérie, merci d'avoir accepté notre invitation. D'accord, merci, tata. Allez t'occuper de tes enfants et de ton mari. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. Bisous, bisous, tata. Ok, bye bye. Merci d'avoir bye bye. Intervenu. Ciao. Merci. Bye bye. Voilà. Alors, si vous voulez, s'il y a quelque part, moi, le point, c'est que vous pouvez m'appeler. Franchement, il faut arrêter. Donc, c'était mon live. Si vous voulez intervenir, vraiment, ma soeur, nous sommes les Africaines. L'homme noir introduit son frère. Tu n'as jamais vu le blanc venir, je peux vous dire qu'il va venir détester les faux produits sur Facebook. Vous vendez tous AliExpress. Oui. Vous commandez tous AliExpress. On connaît ça. Tout le monde se bat dans AliExpress, dans les bataillons. Tout le monde se bat dedans. Mais le commerce, chacun se cherche. Tu as dit que tu as tout pitié, que tu t'inquiètes de la santé des gens, donne-le ça gratuit. Quand tu t'inquiètes de la santé des gens, donne-le ça gratuit, madame. Donne-le les produits gratuits. Allô? Allô? Bonsoir, la maman des Bogos. Bonsoir, Tata Lolo. Je suis sur le parleur là. Oui, oui, déjà sur le parleur. La classe t'appelle Tata ce soir. C'est-à-dire que tu es la définition complète du thé. Tu es noble dans ta tenue, tu es élégante et tu es digne. Ça, c'est ma sœur. Maintenant, je vais parler à tous ceux qui sont connectés. C'est-à-dire que dans la vie, il ne faut pas soutenir le mal. Tous ceux qui vont acheter les produits... Attends, ma chérie,
à part la fille, ma fille, celle qui a les produits capillaires là, appelle sur le direct après l'armement des bobos, tu vas expliquer les effets de ton produit quand comment, parce que moi je vois les effets sur mes cheveux. Appelle, tu vas expliquer. Moi je peux pas mieux expliquer les effets de ton produit. Donc quand je finis là, tu appelles, vas-y, l'armement des bobos. Voilà. Je vais expliquer en quelques, parce que beaucoup de gens, cette fille, comment elle s'appelle, la grue, un machin truc là, elle bloque beaucoup de gens parce qu'elle a un petit espace en pharmacie où elle a positionné ses produits. Il faut savoir qu'il y a des produits qui sont commercialisables. Il y a des compléments alimentaires qui n'ont rien à voir avec une prescription médicale. J'ai fait un direct aujourd'hui pour vous expliquer que quand moi je voulais vous donner, on a écrit à l'agence de quoi, soit qui contrôle les médicaments, à la commercialisation des médicaments en France. Ils ont dit que les produits, il y avait un article qui datait de 2011 où ils avaient dit que la cassine à Cambodgien avait fait quoi. Ils ont dit que ce n'était pas prouvé que vraiment ça pouvait vraiment m'écouter. Et qu'il ne pouvait être vendu que en complément alimentaire. Ça veut dire que quand j'ai créé, quand je vendais le produit, je pouvais vendre ça en pharmacie, mais uniquement du côté des compléments alimentaires. On ne pouvait pas, ça ne pouvait pas se retrouver dans le site, ça ne pouvait pas être consommé comme étant un médicament. Mais il pouvait bien être vendu en tant que complément alimentaire. Elle marche partout pour dire que. C'est en parapharmacie, Patricia, c'est en parapharmacie, ce n'est pas en pharmacie. Voilà. Parapharmacie. Merci, Mémé. Il l'a trouvé. C'est-à-dire qu'elle a voté, elle a fait quelle étude. Parce qu'il n'a même pas un diplôme qui t'autorise de marcher sur Facebook pour flaquer les médicaments. Moi, ce sont les faux médicaments, ce sont les faux publications. Qui l'a donné le droit en France et puis même, est-ce que l'État français peut même traque les gens comme la femme-là? Je dis qu'on dit qu'elle traque les gens sur. Dans les réseaux sociaux, elle fait son travail là-bas, partout dans le site. Elle a fait le problème tous les sites là-bas. C'est terrible, ça. On voit une femme écrite qui vient, qui veut conquérir. Elle arrive à rester sur le marché. Ma chérie, avant toi, les gens ont vendu toutes les publications. Et en Allemagne, aujourd'hui, beaucoup de fournisseurs allaient en Chine. Parce que hier, pour ce que les gens disent, oublie, c'est que la majorité des laboratoires, c'est les plus grands laboratoires français. Ils ne sont pas en France parce qu'il n'y a pas de l'espace en France pour avoir des grands. Ma make-up, elle arrive son make-up, pas le pâtisse. La majorité des laboratoires, c'est son corps. Est-ce que vous saviez que L'Oréal est produit en Chine? Les laboratoires des hôtels sont pas en Chine. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en Allemagne, j'ai entendu parler, lui exactement. Il y a un laboratoire en Allemagne ici qui produit ça maintenant. On dit que Action vend ça à 1,99€ le glutathion à Action. J'ai déjà vu ça là-bas, Action. 1,99€. Et c'est le glutathion, la vraie, à Action. Allez demain, Action. C'est 1,99€. J'ai été très content de la façon dont la dame que tu as pris à vous a expliqué les choses. Une seule molécule, on peut la consommer sur 10. Différentes formes. Le doliprane, on a le doliprane prétentieux, on l'a en gélule. Donc tu m'as dit que le doliprane que nous donne aux enfants à liquide, c'est le doliprane. Parce que tu m'as dit que c'est le doliprane. C'est quoi le doliprane? Parce que quand vous dites que ça vient en Chine, bon, ok. Donc le doliprane à zéro que nous donne aux enfants, c'est le doliprane. Est-ce que tu sais que dernièrement, l'enfant Maël avait une angine et avait rupture d'amorcer. Le médecin m'a prescrit la morphine. Comment appelez-vous? Appelez au 0033. Lolo, vous n'êtes pas. Gloire lui met le numéro 0033. Appelez sur WhatsApp. Hein. N'appelez pas sur ma ligne directe. 0033 766 29 22 01. Appelez, pardon. Même Shine, on dit que mettez les magasins pour vendre du tatium. Mettez les magasins. Même à Taofi, il y a ça là-bas. Mettez les noms des magasins. On vend ça à sur 1,90€. J'ai vu, si vous voulez demain pas acheter. Moi, mais je vais commencer à vendre ça dès demain 5. On allait, je m'appelle là. Maman, appelle même son nom. Maman, porte plainte. Tu m'as insulté, mon frère. Est-ce que j'ai peur? Moi, j'ai
Non, Guitanière, Guita Machiavélique, mon frère, tu es mauvaise. Action, Carrefour, voilà les noms des magasins, mettez les noms des magasins. J'ai dit que les produits de la femme qui vend dans la pharmacie n'a aucun test. Quelle est portée plus vite? On va lui donner, demander de faire un test. Elle va payer pour tester ces produits-là, même pour la France. Alors là. Et elle va dire que tu as donné l'autorisation de claquer les gens sur Facebook. D'accord, merci, Pat. Je ne veux pas une autre personne. Allô, Pat. Ah, on est beau aussi. N'oubliez pas, nous sommes le 8 mars, c'est rue Gizem Benguin. Juste Gizem Benguin. La soirée Petit Pays en live, le 8 mars, à l'espace Venise. Je serai là-bas avec Patricia, Nana. Nous serons là-bas, donc nous attendons nombreux le 8 mars. Tout à l'heure, j'ai ma collaboratrice avec qui on travaille. Elle a les produits capillaires pour les cheveux. Donc, à l'heure, c'est vous dites que le 8 mars, je serai en Chignon. Ces produits sont en train de faire effet sur ma tête. Attends, c'est elle qui appelle là. Alors, comment tu raccroches encore? Ces produits sont efficaces. Ça travaille. Je vous invite ici à passer vos commandes massivement dans son site. Tous les liens sont sur ma page Facebook, le numéro de téléphone, les commandes à joindre. Allô? 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 Ma chérie, tu regardes le direct en même temps, ça ne va pas marcher. Hein. Allô? Oui, bonsoir ma chérie, bonsoir. Bonsoir, Tata Lolo. Oui, tu peux déjà expliquer au follow. On va aller vite, parce qu'après, tu vois. Alors, les produits ne sont pas que capillaires. Les produits, c'est d'abord pour la santé générale du corps. C'est vrai que j'entends des plus glutation mère. Il faut savoir que tous les compléments alimentaires doivent être cités. Donc, le glutation, mais entre guillemets, ne peut pas tout citer. Du coup, moi, j'ai les produits extra boost. C'est vraiment pour la santé de vos cheveux, de votre peau, de votre ongle. Parce que vous savez, quand vous avez une peau terne, ce n'est pas forcément utile de prendre les produits des Gabon si à l'intérieur, on n'est pas bien. C'est très important de se nourrir d'abord à l'intérieur parce que c'est de l'intérieur qu'on s'hydrate, qu'on se nourrit, qu'on nourrit la peau. Et après, on peut utiliser mais vraiment n'importe quoi sur la peau comme le beurre de karité. Et là, on aura l'éclat. Et par rapport aux cheveux, pour tous ceux qui souffrent de l'alopécie, donc, les cheveux qui s'arrachent, les cheveux qui. Les gens qui ont les cheveux. Mais mon Dieu, non, comme ma Pauline à moi qui est assise devant toi. Mais vraiment, ça, c'est un manque. Ce sont des carences accrues, en fait. Parce que déjà, la femme noire est sujette aux carences en fer. C'est très important. Les femmes noires, même quand on va à l'hôpital, on nous dit ça. Et malheureusement, il y a les médecins blancs qui n'arrivent même pas à repérer ça. Pareil pour le manque de magnésium. Les femmes-là sont très sujettes à ça. Quand on en a, en plus, on quitte pour les ondes, on arrive ici, c'est une catastrophe avec l'eau froide. Donc, il faut contrer ce problème avec des produits naturels. Et je peux rassurer à tous ceux qui m'écoutent que mes produits sont fabriqués, composés en Suisse. C'est vraiment personnalisé. C'est une formule unique parce que c'est ciblé. J'ai souffert. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont souffert de ces problèmes et j'ai pris du temps, des années à composer cette formule. Donc, en prenant ces compléments alimentaires, rassurez-vous, vous allez avoir les résultats. C'est sûr. Et ton contact? Et le contact, donc, c'est le plus 41 7 9 6 2 0 58. Bon, bref, il faut écrire en commentaire, je vais être anglais. D'accord, je vais écrire parce que là, je vais en plus. Donc, 079. Non, mais écris en commentaire, je vais être anglais, ma fille. Ou je vais mettre sur la tête du direct, c'est pas grave. Je vais mettre le numéro de ces produits sur la tête du direct. N'oubliez pas aussi d'utiliser. Merci, ma fille, pour ton intervention. Merci beaucoup. Et bisous, bisous. Bon, ciao. Ciao. N'oubliez pas aussi que je suis ambassadrice. Je ne suis pas champion parce que dans TapTapSen, il y a des champions, il y a des ambassadrices. Moi, je suis une ambassadrice de TapTapSen. Une ambassadrice, je suis salariée. J'ai signé un contrat avec TapTapSen où je vends ou je ne vends pas. Tous les mois, j'ai un salaire. Allô? 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 Oui, bonsoir. 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 C'est Mémé. Bonsoir, Mémé. Oui. Bonsoir. Oui, c'est comment? Ça va, Mémé. Tu as vu comment la dame l'a
es venu bien l'expliquer. Très bien. Maman Glita, tu sais, le travail que tu es venu faire sur Facebook, là, tu vas regretter. C'est clair. Quand tu portes tes habits noirs, là, que tu dis que tu as un événement, tu portes les habits noirs comme si tu pars au cimetière, là. Chérie, que tu vas nous amener seulement qu'au tribunal, nous tous. C'est tout. Et on va te laisser là-bas, on va rentrer. C'est clair. Parce que toutes tes vidéos des insultes, là, c'est enregistré. C'est tout. Moi, j'attends seulement la citation directe pour envoyer seulement ma part des clés USB là où tu vas partir faire ta citation directe. Claro. Mais si tu fais un acte, tu vas m'envoyer la hand du club. Ou tu es un papi. Si tu fais un acte, tu vas m'envoyer la hand du club. Ne te dérange même pas. Ouais, calme, mais vraiment. Pardon. Tu vas comprendre qu'il y a des fous dehors. Tu nous vois sur Facebook, là, tu sais pas qu'on était fous avant. Viens, c'est que tu es venu chercher sur Facebook là. Tu vas sentir ça que dans 10 moments, on t'avait dit que frère, tes choses là, ben, tu dis que Britatien, tu appelles ça Kambassa. C'est le nom qui prononce bien. Merde. Donc, tu ne connais pas le son. T-H-I-O. Quand on faisait la prononciation à l'école, c'est que Maman, tu prononces ça comme ambassade bien en français. C'est Lolo qui prononce ça bien. Ton ambassadrice humanitaire, l'angoisse mangeuse de tout le monde que tu lui avais donné, elle prononce ça comme ouais. C'est toutes les interprétations même qui sont faux. Parce que depuis qu'elle boit ça, sa peau est tout froissée, Ouais, mais demain va encore pour le janvier. C'est avec toi là, ce niveau-là. J'ai parlé jusqu'à la patrouille de Jean Ami la ceinture. Tu remets la ceinture sur le gros ventre. Allez, allez là où vous voulez partir. Oh, vous croyez qu'on a peur de vous? Ouais. Vous ne savez pas le voir, bébé. Ton avocat n'était pas bien conseillé. Ouais. Quand tu as déjà insulté quelqu'un sur Facebook, tu ne peux plus aller porter plainte. C'est mort. C'est mort. Parce que toi-même, déjà, tu es une clasheuse de talent. Mon frère. Je vais lire le courrier que je vais écrire à Nadège pour le greffe du tribunal des Nantes. Quand je vais lire ça, tu vas comprendre qu'il y a les gens sur Facebook qui sont allés à l'école et qui n'ont pas fait seulement la cible. Parce que ton ambassadrice a fait seulement la cible. Elle est à quel niveau cible? Tu vas comprendre qu'il y a les gens qui sont allés à l'école. Voilà Ngosa qui paye le fait. Maë dit que la femme l'a dit que je ne sais pas. J'ai acheté le journal de l'Union aussi pour Wafo. Pour dire à Wafo que voici le journal de l'Union de la ville de Reims. Reste un bébé. De la ville de Reims que j'ai acheté pour toi. Pour te dire que l'affaire du vol, c'était toi-même. Donc on passe. Madame, tu sais que je ne connais pas, même les coupes n'est pas faites. Tu sais que tu dis que je ne connais pas pour ces dictatures. Moi, je sais lire. Je peux lire le c'est ce produit. Moi, je peux lire. Donc, moi, je peux prendre ça. Je commence à l'Union. Reims, une étude va mesurer l'impact des transports sur la pollution de l'air. J'ai lu. L'aide à l'enfance à bout de souffle. J'ai lu. Tu as compris, non? Voilà. Tu as compris quoi? Avant que j'aboie, je n'ai pas aboyé sur toi. Laisse-moi, je te laisse continuer. Je n'ai pas aboyé sur toi. Tu ne peux pas insulter les gens tous les jours, TikTok et tout ça. Et crois qu'on ne doit pas t'insulter, que tu es qui? Quand tu insultes les autres, que toi tu es qui? Donc tu dois insulter, on ne doit pas t'insulter. On va voir là où la plainte est là. Maman, tu ne sais même pas ce qui t'attend au tribunal. Nadège, je risque de te laisser là-bas et rentrer. Parce que le dossier qu'on a en train de monter pour envoyer au greffe du tribunal est Nantes. Tu vas arriver là-bas, toi-même, tu vas comprendre que tu devais vendre tes gritatiennes. T'as fait sur ses yeux là comme ça. Quoi. Voilà Ngosa qui paye le fait. Non, elle avait le prix de fait. Il faut que je vois que la mère dit bien les doigts. Elle a même mis ses euros par moi. Il faut pas aller faire les manières. Donc Ngosa est tombée comme ça à cause des manières. Elle va aller faire les manières, vous savez. Elle est classe. Vous savez, elles sont ses yeux comme ça, comme si elle veut effrayer les gens. Vous savez, Ngosa est tombée. Ma grande, c'est une bêtise en droit. Quand ma grande, c'est cette semaine, elle force, c'est pas tu forces. La fille qui est passée là, Lolo, la fille des États-Unis, là, tu dénigres les produits d'une fille qui a un magasin, mais toi, tu fais la vente en ligne. Voilà. Entre elle qui a un magasin, où on peut la retrouver, et toi, tu fais la vente en ligne, qui est crédible? Qui est crédible entre vous deux? Mais c'est celle qui a un magasin qui est crédible. Toi, tu fais la vente en ligne.
Elle, elle est crédible par rapport à toi. Tu sors ses produits, tu sors ses... Mais tu vas lire. Les problèmes que tu as commencé sur Facebook, là, tu vas lire. On a déjà coupé la partie où tu avais dit que les produits de Sam, ça sont les produits d'Alias. Tu as coupé ça, ils vont m'envoyer ça, ma. Ils vont m'envoyer ça. Ok. Mm-hmm. Donc, tu vas comprendre que ce qui fait le cacao fait le café. C'est clair. Tout ça, tu vas retrouver tout ça à Nantes. C'est tu clair. Vas retrouver tout ça à Nantes. Ça sera au tribunal de Nantes en train de t'attendre. Ce n'est que la clé USB qui va faire la plaidoirie de Nadège. C'est rien qu'avec les directs. Mm-hmm. Tu vas retrouver, ce sera à Nantes avant la fin du mois de mars, en train de t'attendre au show. On va jouer que ça. Comme tu vas comprendre que là où tu es parti, là, ça ne servait à rien. Tu es parti sur Facebook, tu insultes les gens. Tu es parti sur Facebook, tu insultes les gens. Mais toi, on doit pas te... Dès qu'on veut parler, tu dis que, ah, moi, je porte plainte, hein. Ah, j'ai fait la citation. C'est là qu'on doit s'occuper de payer ton fait. Parce qu'elle est d'abord bête comme ses pieds. Maman, laisse le pied. Il y a quelqu'un qui peut payer ton fait. En dehors d'elle, la personne ne peut payer. Bah, elle n'aime pas qu'on parle de la fille dans la matinée. Ma tata, le lotilien, elle ne mérite pas, ma. Qu'elle passe juste la matinée. Alors, ton glutamate, ça J'ai mis ça sur mon mur aujourd'hui, le nom du laboratoire. Envoie-moi le lien du laboratoire. Je vais faire vivre, je vais aider mes followers. C'est 30 euros 50, Lolo. Et c'est dosé plus que pour elle. Parce que pour elle, était dosée à 400 mg par bouchon. Alors que dans le laboratoire de l'Allemagne, là, c'est dosé à 900 mg. Il va acheter ça. Donc quand tu prends un bouchon, tu as 900 mg dans le corps par jour. Mais elle a 400 mg. Donc là-bas, là, au laboratoire, c'est le double de pour elle. Le double. 900 au lieu de 400, tu préfères qu'elle. Je peux faire 900, mais je vais prendre le cerveau, moi, c'est dans le lien. Tu préfères 900. Je dis que je vais t'envoyer le lien. Merci, Mimi. Tu achètes ça au laboratoire là-bas, c'est dosé à 900 mg. Merci. Donc quand tu prends un bouchon, tu es tranquille pour la journée. Non, tu sais quoi, tu n'as pas dit qu'on framponne. Non, laisse-moi, je ne vais pas dire que vous avez framponné. Il faut que c'est la télé, mais je ne veux pas qu'on gâte tout. C'est la télé. Mais c'est ce que tu as répété. Il partait sur rêve. Quand on va lancer le on va la traiter. Tu as soif de tamponner. Ok, bisous, ma soeur. Merci beaucoup. Non, tu sais que tout ce qui concerne les gens, je finis qu'avec. D'accord, maman. Je finis qu'avec. Les deux têtes pincées, je finis qu'avec. D'accord. Allez, bonne soirée, Mimi. En passant, je ne vais pas vous laisser ça. Ça, c'est l'article, le journal de Reims. Dans ce journal, c'est le même journal de Reims que vous voyez sur Internet, quand on dit que Google... Attendez, il y a une femme qui a appelé, on va prendre la femme, mais je n'aime pas ce soir. Elle a appelé là, c'est une dame des têtes. Mais si ma FM bon bis matin, mais alors que c'est 5000 étoiles, non? J'ai toi. Bonsoir, ma soeur, bonsoir. Oui, bonsoir, ma chérie, comment tu vas? Bonsoir. Je vais très bien, merci. Et toi-même? Je vais bien, tu es à nos parleurs. Hein. Ça te dérange? D'accord. Oui. Je voulais continuer par rapport à notre dame, la béninoise des États-Unis, par rapport à ses produits. Mm-hmm. Ce qu'elle montrait là, c'est exactement ça. C'est comme ça que ça se passe ici. Le fish oil là, moi-même, je connais ce produit. C'est des très bons produits. Les produits qu'elle a montrés là, c'est des très bons produits qu'elle vend. Ce n'est pas des histoires. Et pour qu'un produit entre aux États-Unis, ça doit être le vrai. Ce n'est pas n'importe quoi. Les Américains n'ont surtout quelque chose qui entre déjà dans la bouche. Les Américains ne peuvent pas autoriser que n'importe quoi entre sur leur territoire. Ce n'est même pas possible. Ça ne peut même pas exister. Donc, il est inadmissible que celle de Cruta, whatever, I don't know, soit en train de dire que oh, on lui a fait si elle vend des faux produits. Non, ce n'est pas vrai. Parce que pour qu'un produit entre sur le territoire américain, ça doit être certifié. Ça doit être prouvé. Ça doit être authentique. Surtout encore plus. Ce qui va pour la santé, c'est trop délicat. Et les Américains ne s'amusent pas avec. Merci donc, beaucoup. Donc, c'était juste pour approuver ça.
Je ne la connais pas. Moi, je suis camerounaise, c'est à le Lourdes. Elle est venue dans ses chez toi que j'ai vu ses produits et c'était très bon produit. Voilà. Très bon produit. Non, pas, oui, je confirme ça. Ah, merci beaucoup. Je sais ce que c'est. Merci. Oui, Tata Lolo. C'était pour ça. Bisous, Tata Lolo. Tu es la meilleure. Bisous. Non, hé, hey, je n'accepte pas qu'on parle à FM Bombis. Comme ça, qui parle Emma à FM Bombis? Attendez un peu, je vais voir la personne et la personne sera bloquée directement. Ici, on, ici c'est l'harmonie, le respect et. Attends. FM Bombis, comment t'encore sur la personne qui t'a insulté là? Ici, là, c'est le respect. Donc, si vous ne pouvez pas respecter les uns et les autres, ne venez pas. Je vous en supplie. Pardon. Mais le Lomana là. On vient tout au haut. Elles ont tout au haut à cause de moi. Oui, bonsoir, Tatana. Bonsoir, Tatana. Poutine, ça va? Je suis dans ma, sous ma pointe, maman. Je voudrais savoir si le journal que tu lis là, on a dit, parce que Christian de Monaco, le chien, elle est là, elle n'a pas arrêté. Son nom est déjà sorti dans le journal là. Non, non, son nom n'est pas arrêté. Il a Genève. Il vend le piment là-bas. Il était pareil, Christian de Monaco. Non, 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 il n'a pas déménagé, Nadel. Il faut même l'embrouiller. Je te dis qu'il a Genève, c'est lui. Il a Genève. Laisse, on te brûle. Il habitait à Pierre-Tu d'avant. Maintenant, il a Genève. Il est marié avec un white. Il a posé, il était le repère au Denivakin, au Maroc. Il sortait avec un gars noir. Je ne sais pas son direct. Interviens un peu par rapport à la. Dis-moi un peu, c'est comment? Ça va. Comment il réagit la Russie par rapport à ce direct? Tu sais, tant que la Poutine vit. Dans deux ans. Tant que la Poutine vit, la Russie respire. Ouais, qu'est ton frère du corps, il va bien. Oui, c'est vrai, hey, mon grand frère, hein? J'ai retrouvé mon grand frère. Qu'est-ce que tu as retrouvé? J'ai retrouvé, hey, maman, mon grand frère. Maman. Lolo, mon grand frère t'aime beaucoup, il dit qu'il t'aime. Merci. Il dit qu'il a reconnu, il a fait beaucoup d'erreurs. Merci infiniment. Il se demande pardon. En tout cas. Qui va t'appeler? Voilà, nous sommes... Nous sommes sur le processus de paix. Donc, 2024, c'est l'année de paix. La paix, la paix, la paix. Ok, il a beaucoup eu du respect. Il peut avoir causé, il peut avoir dialogué, discuté avec qui que ce soit, parce que tout le monde, sur Facebook, fait le Congo. Ça, c'est bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu es quelqu'un qui a beaucoup, il a beaucoup de beaucoup, il a eu beaucoup de considération jusqu'à présent maintenant. Et quelque chose encore, c'est que ta petite sœur, mais le père l'adore, même pleurer, même bien écoute que moi. Il fait seulement semblant avec moi là. Mais comme je me suis habitué, bon ben, donc il adore encore rêve jusqu'à ce n'est plus bon. D'accord. Moi je regarde seulement en caïman. Okay. Donc bref. C'était pour dire qu'il t'aime beaucoup, Lolo. Ne suis pas ce que les gens disent ou quoi que ce soit. Dans la vie, tout le monde commet des erreurs. D'accord. Si tu as commis une erreur un jour, on t'a pardonné. Donc, tu peux pardonner à notre grand frère parce qu'il est notre grand frère à nous tous. Bah, merci. Maintenant, il ne fera plus la distinction que Nadège ou Rêve. Non. Pour te dire que moi, j'ai constaté qu'il aime Rêve plus que moi. C'est bien. Mais bon, ce n'est pas un problème. Mais les filles qui ont recommencé, mettez une fois ces gars, mis des toiles, il reste, on va aussi gagner un peu l'argent, il reste, nous sommes à 38 702 étoiles. Donc il reste alors comme, on calcule un peu, non, là. Il reste 12 998 étoiles. Mettons pas. Voilà, calcul mental, hein, c'est facile. Hein. T'as avec le couple, ils sont bien. Mettez-nous les étoiles, pardon, on va payer mon avocat avec mon avocatier. Pardon. Qu'on va payer son avocatier. Vous êtes à 3 802 étoiles, Vonvon Smith. Ma mère, ma chérie, FM Bombis est là. Maman, la NASA est sur place. Maman, les maman, vous savez que FM Bombis n'est pas l'ami des abeilles. J'avais trouvé qu'on l'avait bloqué dans mon direct. Eh ben bon, puisqu'elle voit comme ça, elle va venir me taper, hein. Elle veut dire que les appels vont venir manquer le respect à nous, les nazes, dans notre territoire. Non, ma sœur vient finir avec eux. Et là, le tout, ils ont dit que c'est la paix, la paix, la paix, la paix.
La prière, l'autre qui me lave, qui lave, que l'autre qui fait, que maman, j'accepte. Bon, hein, moi, je vais lire l'article de Wafo. Je lis ou je ne lis pas. L'article de Wafo dans l'Union. Je laisse. Poutine demande les conseils à ses éléments. Je fais comment, hein? Elle a en train de lire les commentaires. Elle a essayé de donner les commentaires. Non, il faut lire. Merci, Bonbon Simit. La NAS en rédaction. Il reste 798. Quand tu t'es lié, écrit, donc tu peux lire ça encore. Ok, laisse-moi là, je me concentre. Oui, concentre-toi tout à l'heure. Merci, Satana. Merci, bisous à Bobo Mami là-bas. L'Union. Bisous, Bobo Mami. Mouais, mais gouais, souhait. Bobo Mami a compris, mais j'avais sa main là-bas. Ah bon. Bon, je lis le journal. L'Union. Il y a quelqu'un qui appelle là. Attends, je prends la personne. Allô? Allô? Bonsoir. Tu es toujours en ligne? Oui, je suis en ligne, ma chérie. Ah, ok. J'appelle juste pour par rapport à la des gélules là. Oui. Des mutations. Justement, moi je vis aux États-Unis et il y a de cela quelques années, tu étais en train de faire la promotion d'une dame qui vend les mutations. Mm-hmm. J'ai commandé les mutations de cette dame, c'est une béninoise. Mm-hmm. Cette dame, effectivement, ces mutations, c'est de l'huile. Mm-hmm. Et la majorité des mutations ici sont faites d'huile, des bonnes mutations. Donc, ce que la dame raconte, que c'est du n'importe quoi, cette dame fait de très bons produits. Merci. Elle fait de très bons produits. Et en plus de ça, elle n'est pas la seule. Elle, plusieurs fois, cette dame, elle a dénigré. Il y a une autre compagnie, je fais pas la publicité, belle nupias, belle bijoux. Mm-hmm. Je fais pas son temps à dénigrer les personnes qui font dans le même domaine. Donc, c'est du n'importe quoi. Cette dame béninoise, elle fait de très bons produits. J'ai déjà utilisé ces produits. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rien eu. Vraiment. Jusqu'à ce qu'on a enlevé le virus. Aïe, ma sœur. C'est du n'importe quoi. Et ici, je fais tout le temps les check-up. Et j'ai utilisé ces produits il y a, ça fait près de 2 ans. Je n'ai jamais eu quelque chose. Je n'ai jamais rien eu. Donc, ce que cette dame raconte, je ne sais pas. Et puis, même en plus, voilà un autre truc que je voulais souligner. Tu ne peux pas vendre des produits aux États-Unis si ce n'est pas contrôlé. Ça, c'est du n'importe quoi. Les États-Unis, ça ne blague pas. Pour vendre des produits ici, pour commercialiser ces produits, il faut que ça passe au contrôle. Donc, tu as à plus forte raison, ouvrir un store. Donc, je vois chez Stock Nova, ce qu'elle raconte, c'est du n'importe quoi. C'est juste parce qu'elle veut sa volonté et mettre ses produits en avant. Ok, c'est tout ce que j'avais à dire. Oh, merci beaucoup, ma chérie, pour l'appel. Merci. Tu peux rapprocher ton côté, mon téléphone est verrouillé. Merci de m'avoir appelé. Bon, mais l'Holomania, n'oubliez pas, nous avons lancé un PayPal de l'Holomania. Nous sommes une team. Vous savez que Tata Lolo, j'ai dit que je ne peux pas cheminer sans vous. Je ne suis rien sans vous. J'ai dit que je ne me marie plus. J'ai mes époux dans les réseaux sociaux. Vous êtes mes maris, je suis votre mère, je suis votre grand-sœur, je suis votre mari, je suis tout pour vous. Vous êtes tout pour moi. Donc, en ce moment-ci, nous avons lancé la reprise des hackers de Tata Lolo TV, notre émission à cœur ouvert. Nous avons relancé, dans quelques semaines, nous allons relancer nos émissions. Mais à chaque fois, il faut rénover le plateau. Parce que les fauteuils que nous avons là, ce n'est pas digne des fauteuils de plateau télé de la Tata Lolo, d'une star comme moi. Il faut quand même que je sois à la hauteur. Quand tu vas dans les chaînes télé, tu vois les filles sont assises dans des jolis canapés. Chez moi, là-bas, les gens peuvent même s'asseoir parce que le canapé, il y avait un qui a cassé. L'autre est infime. Il y a un côté qui est cassé là. Je fais beaucoup d'efforts pour vous satisfaire à travers cette télévision-là. J'ai même énormément d'argent. J'ai même beaucoup d'argent. Il y a des jours qui légalisent l'émission. Je suis à 1 300 €. Alors, sans vous, je ne peux pas. Donc, la reine de l'hommage, Julien Zombie. C'est elle qui détient ce PayPal-là. Si Julien peut mettre son PayPal-là, là, je vais épingler. Chacune de vous a motivé moi. Vous ne voulez plus les clashs. Vous ne voulez plus ceci. C'est-à-dire, nous, on fait les émissions. J'ai fait les émissions comment? Soutenez la télé.
Soutenons la télé divin. Soutenez. La remède, si tu peux la mettre en PayPal, mettez l'argent dans le PayPal. Dans 2 semaines, nous allons lancer une émission. Et l'émission va faire boum parce que l'invité, c'est un invité. C'est le royal de l'invité. Il nous faut les canapés. Donc, il faut qu'à partir de maintenant, on commence à cuisiner même canapé, les fauteuils. On commande les jolis fauteuils, là. 3 beaux jolis fauteuils. Que mon mec, ici, assis, de quoi je brille. C'est bon, là, je vais épingler le PayPal de la reine de l'Olomania, Julien Zombie. Je vais épingler son PayPal. Vraiment, les l'Olomania, vraiment, les l'Olomania, j'ai épingé le PayPal de la reine de l'Olomania à tous les internautes. Je suis suivi par les Ivoiriens, par le Burkinabé, par les Camerounais. Franchement, élevez votre soeur qu'un projet comme la Tata de l'Otili. Ouais, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Moi, je n'ai pas encore eu la chance d'aller dans les télévisions comme d'autres influenceurs et blogueuses qui ont commencé comme moi. Ma part, vous avez décidé que je vais rester ici avec vous. Je reste avec vous. Je reste avec vous. Donc, de grâce, soutenez la télé parce que dans 3 semaines, nous allons lancer notre prochaine émission. Donc, là, c'est le litige, le PayPal, là, il faut vraiment d'ici 1 semaine ou 2 semaines que nous allons collecter même quelque chose pour quoi. Elle, c'est elle qui va commander les fauteuils. Ce n'est pas moi. Je ne vais pas toucher la rente de même. Elle va commander les fauteuils. Nous allons regarder ensemble. On commande les fauteuils et puis on lance l'émission. Vraiment. Parce qu'à l'heure-ci, il y a trop de choses à dire. Comme elles ont dit qu'elles vont faire la politique, nous allons faire la politique. Je vais vous montrer mes capacités dans le domaine politique. Je vais interviewer les hommes politiques. Je vais interviewer les activistes. Vous allez nous annoncer que nous, on connaît seulement le piment. Je vais vous montrer que Benson Snap, je vais vous montrer que même en politique, je suis capable. Je vais m'instruire. Je vais me former. Je vais pas dormir. Nous-mêmes, comme c'est la politique qui intéresse les Camerounais, là, nous allons déposer le Japa par côté. Nous allons faire des émissions politiques. Ce qui est sûr, c'est ça. Voilà. Il n'y aura pas de débat. Nous n'allons pas nous laisser faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes followers, soutenons la Tata Lolo TV. Depuis la partie de changer. Soutenez. Mais gars, il reste 700. Il reste 700. Il reste 783 étoiles. On quitte ici. Vraiment, soutenez la Tata Lolo TV. N'oubliez pas mon application Tap Tap Send. Je vous offre 5 euros de plus dès votre premier envoi avec mon code promo LOLO237. N'oubliez pas, c'est la fin du mois. La famille a besoin de nous en Afrique. Donc, on a fait le petit mandat avec le PayPal, avec le Term, avec Tap Tap Send. Et vous utilisez mon code promo LOLO235. Vous aurez 5 euros de plus dès votre premier transfert. Si vous n'êtes pas encore client à PayPal, à Tap Tap Send, allez vous télécharger l'application sur votre smartphone. Et puis, c'est facile à utiliser. À l'aide de votre carte Visa. Vous faites le transfert sans problème. Donc, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Nous avons lu l'article de WAF demain. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Mais je veux quand même lire l'entête de l'article. Voleuse en série dans un magasin encore Montreuil. La nommée Stella WAF, multirécidiviste, est passée plusieurs fois dans ce magasin. Une femme qui est tatouée de partout, elle a des tatouages. Elle était remarquée par ses plusieurs tatouages. Stella Wafo est mère de plusieurs. Stella Mougou est mère de plusieurs enfants. La suite, c'est pour demain. Je ne suis pas inspiré pour les Wafo. Il y a des jours qui n'est pas. Ouais, fils. Oh, merci. Bonjour, Sylvie. Merci. J'ai 40 222 étoiles. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mafo Gonfi, pour le soutien. Merci à tout le monde. Il y a Tata Lolo, c'est son direct. Mais ils ont écrit ça, c'est ça, pourquoi vraiment? Hein? Je peux m'en dire, c'est un ami qui avait le journal. Il m'a trouvé ça. Voilà l'article de Wafo ici, non? C'est son article, c'est une volée.
Donc, Pat. Tata Lolo, avant que tu me partes, vraiment, tu sais qu'on est dans un processus de paix. Vraiment, moi-même, je veux soutenir la télé. Oh, merci. Dans un processus de paix. Merci. Que c'est la paix. Mais la prochaine invitée doit être la mère des abeilles. Vraiment, je suis dans un processus de paix. Merci beaucoup. Que voir. Ouais. Vraiment, la paix est bien. Vraiment. Tout le monde est au jusqu'à même la reine, mais plus haut. Elle a dit que la paix. La paix. Elle dit que la paix, la paix. Elle dit que la paix, la paix. Elle était sortie sur moi parce que je lui ai dit que maman, qu'elle a un déclenche plan. Elle m'a insulté. La paix, la paix. Aujourd'hui, on est dans un processus de paix. Moi-même, je connais, tu me connais, je vais soutenir la télé. Mais la prochaine invitée, ça doit être la reine mais des appels. Nous sommes dans le. Non, je l'ai fait d'abord le chantage. Laisse d'abord le faire pour le chantage. C'est pas le chantage, c'est le fréquent. J'aime bien le fréquent. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci. Merci beaucoup. La paix est bien, la paix, la paix. Bon, voilà. Voici l'article de WAP aussi. Donc. Je mens pas. Voici son article. Voleuse en série. Regarde comment elle est sur la photo aussi, maman. C'est la Peruma. On t'avait filmé comme ça. Hey, les Français là sont si mauvais. Comment tu veux faire ça? Notre Stella Mogo, maman. Yes, si elle met ça, le camou va bouger. Waouh. Hey, aïe. Amout. La honte, elle a les menottes. Regarde ses yeux, maman. Comme si elle avait vu les fantômes. Elle fait comme si les yeux sont. Elle est perdue. Ouais, waouh, ouais, c'est ça, waouh. Maman, là, si on ne pouvait pas avoir 10 000, ne t'embête pas. En tout cas, merci de m'avoir suivi. C'était un réel plaisir. Madame, bah, la madame qui vend les trucs là. Maintenant, tu peux parler de moi 100 ans, je m'en fous. Mais je voulais quand même mettre. Je n'avais pas les intentions de faire ce direct. Mais vu que tu as sorti hier, il était pour moi très important que de clarifier les choses, que la personne concernée vienne s'expliquer par rapport à ça. Parce que moi, je ne suis pas. Je suis pas. Comment on dit? Adapté. Je suis pas professionnel dans le domaine des gutations. Donc voilà, je me. Merci. 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 Merci à tout le monde, à toutes ces personnes qui m'ont donné les étoiles. Vous êtes formidables. Vous voyez comment les gens font la force. Ils savent de partout. Maman, même les abeilles m'ont donné les étoiles. Merci beaucoup pour vos étoiles. Mais le mania, elle ne se laisse pas faire. Elle veut comment elle fait un bon bus atterrir. Vont, vont. Taïta Koutez, elle n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi. Notre étoile est le mania. Carole Bowen, elle est où? Carole, tu es où, ma Carole? Ma Donald Trump des États-Unis. Carole Bowen, c'est qui m'a pris le billet d'avion business class, maman, Paris, Abidjan. Ma chérie, je fais comme je veux. Je n'aime pas trop de repos. Je ne dis même pas ça. Je fais comme je veux. Voilà, un homme carré porté plein. Ce n'est pas vous qu'on insulte souvent. Quand c'est pour moi, vous amenez trop de reproches, machin. Moi, je ne supporte pas. Je n'aime pas souvent ça. Parfois, il faut me laisser faire. Je ne satisfais personne. Je le fais pour moi-même. Voilà. Ah ben, dis donc. C'est ton point de vue. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Si tu as le père, je le ferai. Voilà. J'aime pas ce genre de choses. J'aime pas comment c'est un peu masculin, un peu quelque part. Vous croyez que c'est tout le monde qui a venu s'asseoir sur le lot, m'insulter, machin? Non, non, j'ai donné mon avis. Je n'ai été influencé par personne. Je n'ai pas juste aimé le comportement de cette dame. Voilà, c'est tout. D'avoir encore menti, d'avoir dit hier que cette fille, on a enlevé les clitoris, l'utérus d'une femme à cause de ces produits, ça m'a fait peur. Donc j'ai essayé qu'il faut que cette femme ait intervenu et puis voilà, le reste je m'en fous un peu. Bon, pourquoi tu vas appeler son nom ici? Je vais te bloquer parce que ça fait plusieurs fois que tu fais ça. Allez, va parler derrière. Alors, merci de m'avoir suivi, que le Seigneur vous bénisse. On se prend, on se dit à demain. N'oubliez pas notre Litchi, notre PayPal pour
Tu sais, je parle de maintenant, je cours. Ok. Ok, notre étoile. Yéi de yéi, bisous. Ok. Carole Bouwen, l'étoile de Lomania, merci. Peace, bisous là-bas. Tu as bien fait ma poutine. Non, il faut qu'on arrête de m'apporter des repos chaque fois. Je ne suis pas votre enfant. D'accord? Et parfois, quand je vois comment ça me rend nerveuse au point où vous croyez que dans Facebook là, c'est moi qui dois se battre, encaisser. Allez vous faire foutre, hein? Un moment donné, il faut arrêter votre sale hypocrisie là. Parce que dans ces lives, on m'a insulté hier pour être médecin. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas envoyé ces messages là. Ce n'est pas peut-être parce que mon poids ou hasard fait accessible que vous allez vous permettre de venir me dire n'importe quoi. D'accord? Je ne suis pas une lécheneuse. Je ne suis pas la recherche d'amour des followers. D'accord? Je ne suis pas une commandeuse d'amour parce que j'ai assez d'amour dans ma famille et j'ai assez d'amour des personnes qui m'aiment. Dans son direct, on m'insultait hier correctement et bien. Tu n'as pas ouvert ta gueule. Tu n'as pas envoyé un message pour dire ça. Alors, quand je te laissais le feu venir dans mon live, dans mon WhatsApp, me dit n'importe quoi, tu te permets de. Je laisse qui appeler, qui va appeler, qui me dit tout. Je laisse. Je prends la responsabilité. J'en ai marre de prendre sur moi tous les jours. L'année dernière, c'était un peu de trop. Tout le monde venait chier ses gros caca sur moi. J'ai dit, c'est terminé. Quelqu'un m'attaque, je sors et je reprends. C'est comme ça. Ça ne vous plaît pas. Partez. Bonne soirée.